Hey, 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 salut ma belle gang, François Lemay ici, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est moi, c'est moi et Bozo le Clown. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un Bozo le Clown comme ça quand vous étiez un peu plus jeune, hein, parce que plusieurs d'entre nous, on a fait l'expérience de ce Bozo-là avec du sable dans les fesses comme ça, boum! Hein? Et, et, et jouer au, au, à la boxe comme ça avec un nez qui est. Mais savez-vous que Bozo Leclone, je m'en sers dans mes enseignements pour enseigner l'addiction et l'aversion et la perte, la la perte, la perte de l'équilibre au travers de tout ça. Bozo Leclone, c'est un de mes euh, alliés quand que vient le temps d'enseigner au travers de mon programme Louis D'abord, avant tout, je suis en live sur ma page Facebook. Je veux juste m'assurer que vraiment, je suis en live sur ma page Facebook. Je vais aller voir si, parce que j'ai commencé sans même aller voir si j'ai une ou deux ou trois personnes avec moi, parce que j'en fais souvent des lives et c'est arrivé plusieurs fois que, un, j'ai pas fait la live sur la bonne page parce que j'ai des groupes privés aussi, ou deux, j'étais pas en direct et j'ai parti pendant 30-40 minutes. Et ça ne me tente pas de faire ça, la gang! Donc, euh, si ma page peut loader. Oui, j'ai l'air d'être en live avec moi tout doucement. Est-ce que ça l'ouvre, cette page-là? Je reste dans, les, euh, dans le fin fond des bois. Hein. Donc, mon Internet aujourd'hui, elle est assez moyenne. But it's OK! Je ne suis pas capable de lire vos commentaires. François, respire par le nez. Tout va se placer. Même si vous êtes en train de m'écrire, je ne peux pas le voir. Ah, là, je vois. Salut, Guylaine. Je vois qu'au un... moins, Guylaine est avec moi. On commence à monter un tout petit peu. Je vais laisser le temps aux gens de vous rejoindre. Donc, parmi ceux et celles qui sont là avec moi, que je commence à voir vos commentaires, est-ce qu'il y en a qui ont eu un bozo le clown quand ils étaient jeunes, comme ça? Hein, ce fameux bozo là, qui a un petit nez. Tu sais, pour jouer à la boxe, je suis persuadé que je suis loin d'être le seul à avoir un bozo comme ça. Donc, que vous regardez en direct ou en rediffusion, je suis curieux de vous lire parce que je m'en sers régulièrement. Hein? Est-ce que tu es dans l'addiction, le désir de ou dans tes peurs, hein? l'aversion, tu ne veux pas voir la coupure avec le tout ou tu veux encore plus, encore plus, encore plus, c'est pas mieux un ou l'autre. Donc, Nancy a dit, oh oui, tellement. Diane, non. Diane, tu manques quelque chose vraiment. Euh... C'est OK, en fait, euh, on a tous à quelque part en intérieur de nous un bozo, le clown. Donc aujourd'hui, ma belle gang, regardez, j'ai envie de vous partager, avant de commencer ce beau webinaire-là, avant de vous partager euh, tout ce que j'ai envie de vous partager, regardez le beau paysage qui est devant moi ce matin. C'est dessus assez exceptionnel. La neige sur les arbres. Tout change, hein, parce que souvent, je vous ai partagé les paysages quand, quand je faisais des lives et des fois il y avait absolument rien dehors. Et là, maintenant, c'est comme le, la, il y a la neige sur les arbres. Et probablement les branches font comme Ah, oh, c'est l'eau, c'est l'eau, mais je suis probablement sûr que la, la, la nature est pas en train de dire What the fuck, il y a plein de neige sur mes, mes branches que c'est année de cet hiver-là. Non, la nature, elle est, tout simplement. Puis éventuellement, le beau soleil va se pointer et la neige, elle va être encore plus présente Elle va échapper. Elle va tomber par terre, en fait, puis les branches vont remonter. Hein? C'est le mouvement, c'est l'expansion-contraction, c'est la nature. Et c'est exactement comme ça qu'on doit apprendre à vivre la gang. Les enseignements que je partage, je sais pas, écoutez François Lemay, il a raison, il a fait des formations, il a la connaissance, puis tout ça, pas du tout. En fait... Moi, ce que j'ai appris à faire, c'est que j'ai, un jour, j'ai tourné mon regard vers l'intérieur et j'ai commencé à observer comment fonctionne ma machine. J'ai appris, appris à apprendre. J'ai appris à calmer l'agitation de mon esprit pour venir connecter avec cette vérité-là qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tout est déjà là. Il manque absolument rien. Et quand j'ai commencé à prendre contact avec cette vérité-là, un jour, j'ai commencé à, à être beaucoup dans la nature. J'ai toujours été intéressé par la nature, à être à l'extérieur, de jouer dehors, aller marcher dans le bois. Et j'ai commencé à me rendre compte que toutes les vérités qu'il y avait à l'intérieur de moi, je les voyais dans la nature. Donc là, ce n'était pas une question de Bouddha, Allah, Krishna, Tonka, Toyota, Jésus, euh, le Christ, la catholique, le bouddhiste, euh, euh, rien de sectaire. C'était des grandes vérités universelles. Et ce point-là, ce point de bascule-là a littéralement transformé ma vie. Le jour où je me suis rendu compte, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de connaissance, ce n'est pas une question d'avoir lu plein de livres, d'avoir fait plein de formations. C'est une question d'observation de soi. C'est une question de maîtrise de soi. C'est une question de, 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 de manifestation, mais de fréquence, d'énergie. C'est une question de cohérence avec la vie, de co-création avec la vie. On ne peut pas tout faire tout seul, l'être humain. On est en co-création avec Dieu, avec le grand plan, avec l'univers. Appelez ça comme vous voulez. C'est une question de co-création. Et nous, on doit apprendre à devenir des maîtres en l'art de vivre afin d'être en cohérence avec la vie et laisser la vie faire son œuvre à travers nous. C'est ça qu'on doit apprendre à faire. Donc, ça, je n'invente rien. Je ne suis pas en train de vous dire comment vivre la vie. Je suis en train de vous dire, par contre, que vous êtes la plus belle merveille du monde. Vous êtes humain. Et quand vous êtes humain, vous êtes divin. Et ça, j'aurais aimé ça, moi, l'apprendre quand j'étais plus jeune. Est-ce que j'ai un manque à cause de ça? Non, c'est correct. On, on, en fait, on l'apprend à coups de souffrance. C'est simple. À moins qu'on ait eu des parents qui aient été dans cette énergie-là, mais bien souvent, hein, moi, j'accompagne des gens qui ont eu des parents très spirituels. Et souvent, à cause que les parents étaient très spirituels, pas nécessairement ancrés, les enfants ont tombé en révolte par rapport à la reconnexion, à la spiritualité, leur énergie. C'est exactement ce qui devait se passer de toute façon. En fait, on doit marcher, chacun d'entre nous. Notre propre chemin de reconnexion avec nos épreuves, avec nos challenges, avec les étiquettes qu'on s'est fait donner, avec les souffrances qu'on a eues dans notre passé, avec les abus, avec les trahisons, avec les rejets, avec les doutes par rapport à soi. Mais comprendre que nous ne sommes pas nos abus, nous ne sommes pas nos, nos problèmes financiers, notre carte de crédit, les huissiers, nous, sommes, nous ne sommes pas ce que notre ex dit de nous, nos enfants disent de nous, nous ne sommes pas ce que nos enfants disent de nous. Nous sommes la plus belle merveille du monde. Nous sommes une créature de Dieu. Nous sommes une extension divine avec un potentiel incroyable. Par contre, on doit avoir l'humilité, et ce peu importe l'âge que nous avons, de réapprendre à vivre. Réapprendre à vivre en harmonie avec la vie. Pas à chercher l'équilibre. Parce que l'équilibre, comme on pense que ça existe, ça n'existe pas. Hein? La stabilité, ça n'existe pas. Les arbres sont pleins de neige présentement. C'est très difficile pour la nature, selon nous, de soutenir toute cette quantité de neige-là. Je vous la remonte. Regardez ça. C'est très difficile pour, pour la nature présentement. Les branches, regardez les branches. Là. Il y a de la neige, c'est lourd. C'est très difficile pour la nature présentement de soutenir cette quantité de neige-là. Mais avec le soleil, avec le changement, avec les cycles, avec les expansions, les contractions, la neige va retomber. Les branches vont re re relever. Éventuellement, il va avoir des bourgeons, il va y avoir des feuilles. La vie est en train de faire son œuvre à travers la nature. Et, et à l'automne, pas à l'automne, on est en hiver ici au Québec, au, au printemps, quand on va revenir, mais il va y avoir des bourgeons. Et il y a des branches après ça qui vont pousser encore plus. Puis ça va donner des arbres encore plus grands. Dans le processus de, 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 le processus de pleine réalisation de, du gland, qui est devenu une bouture, qui est devenu un arbre, qui est devenu un, 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 un ado-arbre, qui a grandi, puis qui a grandi, puis qui devient un arbre sage avec, qui donne des tonnes de gland, il y a un processus. Et au travers de ça, il a vécu des tempêtes. Il, il s'est fait casser des branches. Il y a probablement son ami arbre qui est mort parce qu'il est, est mort dans une tempête euh, dans, euh, avec une éclair. Euh, je ne sais pas moi, euh, il, il s'est fait trimer. Peu importe ce qui s'est passé, mais en cours de route, il se réalise pleinement. Ce que j'enseigne à la gang, c'est constamment en, en harmonie avec la nature. Quand je me suis formé au développement personnel, j'ai été intéressé aux lois du succès. Aux hein, lois du succès, comment réussir? Comment faire du cash? Hein, parce que souvent, quand on éveille un peu, les premières choses que l'on veut, c'est avoir du succès. Jusqu'à temps que tu te rendes compte, à coup de recherche dans le... Je ne peux pas dire dans le vide, parce que c'est essentiel, en fait, de chercher ça. Jusqu'à temps que tu te rendes compte qu'en fait, c'est vide de sens. C'est vide de sens d'être populaire, d'avoir euh, du succès, de, de, que, que ta business fonctionne bien, tes choses fonctionnent bien. Vous savez, le succès, hein, c'est Sadhguru qui... Euh, qui partage ça, je vous suggère de le suivre. Sad S-A-D, S-A-San San Guru, peu importe. Euh, tapez ça, vous allez trouver de quoi. Si j'ai un ami, quelqu'un de ma belle communauté qui est là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans ma communauté, euh, Ubuntu entre autres, partagez un lien, à la page YouTube de Sa Sad Guru. Il dit, le succès, c'est ce qu'il y a à l'extérieur et le bonheur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce et c'est tellement ça. Et c'est tellement ça. Tu peux avoir le succès sans le bonheur. Tu peux avoir un succès extérieur, ça veut dire tu as du succès dans tes affaires, tu as, as du succès dans plein de choses, dans, ton, dans ta maison, dans euh, l'harmonie de ta, de tes enfants, dans euh, tu reçois à Noël, ça se passe bien, vous mangez bien. Tout le succès, là, c'est ce qui est bien euh, germé, ce qui a poussé à l'extérieur en fait. Le bonheur, c'est l'alchimie qu'on va créer avec nos émotions, avec nos pensées, avec notre attitude, la gestion de soi. C'est le bonheur qui va créer hein, un sentiment de bien-être. Mais l'extérieur a un impact sur mon sentiment de bien-être, mais l'extérieur n'est pas la cause de mon bonheur. La cause de mon bonheur, c'est mon attitude. L'attitude, c'est la direction que je vais mettre mon attention, ma concentration pour diriger mon énergie. Donc, ça va être dans l'acceptation, dans le détachement, dans le pardon, dans la compassion, dans l'amour inconditionnel, dans le, euh, euh, la, la tolérance des uns des autres, qui va te permettre de garder ton état interne de paix, de joie. Et pour pouvoir déclencher ça, ces émotions-là, ces facultés-là, émotions ces capacités-là, ces, capacités ces skills-là, il va falloir que tu t'entraînes, que tu apprennes à être connecté. Parce que si tu ne t'entraînes pas et tu n'apprends pas à être connecté, tu es réactif. Donc, tu fais du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Tu cherches à être aimé, tu t'oublies, tu fais passer les autres avant, à, avant toi. Euh, tu es agité comme une poule sans tête, tu as de la difficulté avec ton sommeil, tu as l'impression d'être complètement saturé. Et tous ces, ces comportements-là viennent créer une alchimie dans ton corps où est-ce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose? Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en live avec moi présentement qui font comme Eh, hey, t'es en train de parler de moi ce gars-là! On se ressemble, la gang. On se ressemble à peu près tous. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, en 2020, c'est qu'on ne s'est pas fait éduquer à tout ça. Il y a certaines personnes qui nous éduquaient vers ça, certaines personnes nous éduquaient vers ça, mais d'un point de vue holistique, holistique sans qu'on suive un, 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 un trainer, un enseignant, un, 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 quelqu'un qui dit que la vérité, non, non, ça veut quoi la gagne? La vérité est dans la nature. Il manque rien. Il manque rien. Aujourd'hui, dans ce live-là, je vais répondre à toutes les questions que vous avez. Il durera 7 heures le live s'il dure 7 heures, puis il en durera 40 minutes s'il doit durer 40 minutes. Je vais répondre à toutes les questions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ferme les portes de reset. C'est la dernière journée pour pouvoir vous inscrire à reset. Je vais répondre à toutes vos questions. Et si vous voyez que j'ai envoyé... Euh, Beaucoup de courriels dernièrement, vous m'avez vu en publicité, j'ai fait beaucoup de lives, euh, que ce soit avec mes webdans, que ce soit avec ma femme, que ce soit avec Martin Nathulip, que ce soit avec euh, des participants à ma cohorte. Si j'ai pris beaucoup de place comme ça dans le mouvement, c'est parce que je crois profondément à ce qu'on est en train de faire. Je crois profondément à la mission qui coule à l'intérieur de moi et je crois profondément à tout. Écoute, la vision que j'ai, c'est une armée de gens conscients. C'est hot, là, ce qui est en train de se passer, je vous le dis, là. De voir. La quantité de personnes qui ont rentré dans le reset, la qualité de personnes qui est rentré dans le reset, j'ai l'impression qu'on est en train de créer une tribu en conscience. Et ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire que le reset, les derniers resets, c'était génial. L'autre d'avant, c'était génial. Celui-là, c'est encore, c'est sûr, c'est encore mieux puis c'est encore plus puissant. Et tout ça grandit. Et, et, et je sais l'impact qu'une personne a eu sur son enfant, sur ses élèves, sur ses clients, sur ses patients, sur ce, son conjoint, sur ses parents. Mais là, tout ça, ça grandit encore plus en conscience, encore plus en, de, de façon focus. Avez-vous idée de l'impact qu'on va créer suite à ce qu'on est en train de vivre là? C'est hallucinant. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, marquez-le dans le fil des commentaires ici. Mais au-delà de ça, je vais vous donner aussi de valeur en cours de route ce qui passera à travers moi euh, parce que mon but là, c'est oui, euh, oui, on vend des programmes parce que j'ai une structure à faire, à construire avec, à, avec mon équipe. J'ai une grande équipe qui est là pour m'aider à construire tout ça. On travaille très fort pour faire arriver ce projet-là. J'ai des projets de vie, j'ai envie de voyager, j'ai envie de. Il y a des projets de vie qui demandent des soucis, mais en même temps, si tu n'achètes pas le reset, ce n'est pas grave du tout. Parce que le but de François qui vient s'incarner ici, c'est d'éveiller les consciences. En fait, en réalité, que tu jette ou que tu t'ajoutes pas, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. La seule différence, si tu t'ajoutes, tu vas être accompagné pas à pas, tu vas avoir tout l'environnement parfait pour pouvoir te déposer, pour pouvoir prendre ta pleine réalisation, pour pouvoir te comprendre, pour pouvoir rester en alignement, rester sur la traque constamment pendant euh, l'espace de quatre mois. Et dans cet espace de quatre mois là, c'est sûr. Le programme il est parfaitement conçu avec une méthodologie extrêmement efficace, de pas à pas, c'est sûr que tu es ailleurs. C'est sûr que tu es ailleurs en du mois de juin au mois de juin. C'est sûr que tu es une nouvelle personne, une nouvelle façon d'être, une, une nouvelle façon de gérer ton anxiété, ta façon de, de, de percevoir la performance, ta façon de te calmer, ta façon de réagir, ta façon de vivre en harmonie avec la vie. Et si tu changes ça, tu sais quoi? Tu sais quoi Les étoiles dans les yeux vont être là. La fréquence énergétique va être beaucoup plus haute. La manifestation va être au rendez-vous. Tu vas voir de l'émerveillement. Tu vas voir de la magie. Et pas parce que Reset est bon, parce que tu as appris à marcher le chemin de la reconnexion avec qui tu es vraiment, à suivre ce qui est, ce qui est véritablement à l'intérieur de toi et à être en harmonie avec la vie. Il manque rien. Il manque absolument. Rien dans ce grand plan-là, absolument rien, c'est le titre de mon prochain livre. Tout est déjà là, et il ne manque rien. Alors, pensez-y. Quand on ne fonctionne pas en harmonie avec la vie, on est en résistance. Donc, exemple, prenons un exemple. Il y a plusieurs personnes, je prends des questions parce qu'on s'est fait poser des questions. Puis je dis à mon équipe, répertoriez-moi les questions qu'on se fait poser et je vais y répondre. Vous avez envie de joindre Reset, mais vous avez peur. Vous avez vraiment peur. Mais en même temps, quand François, il parle, ça, oh my god, ça te stimule tellement. Mais en même temps, j'ai peur. Et que là, je ne prends pas ma décision. Ça, ça veut dire ne pas être en harmonie avec la vie. D'accord? Donc, à l'opposé, si vous voudriez, vous vous, vous, vous si, <laughs> si vous voulez rejoindre Reset, mais financièrement, vous ne pouvez pas rejoindre Reset. J'ai déjà Rajouter des voyelles, ajuster ça comme vous voulez pour que ça fasse du sens, d'accord? Si vous n'avez pas les moyens de joindre le reset, en ce moment, c'est très, très difficile, c'est pas au bon moment. Être en harmonie avec la vie, c'est d'accueillir que je ne peux pas. Vous comprenez? Qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment? C'est ça la question. Qu'est-ce que la vie te demande de faire? J'aimerais tellement rejoindre le reset, François, il me fait tellement vibrer, mais je peux pas. La vie est en train de t'enseigner, en c'est OK. Apprends à te calmer. Apprends à comprendre qu'à l'intérieur de toi, là, il manque absolument rien. Tu es complet. Hein? Il y a peut-être quelque chose d'encore plus grand que lui, ça, qui t'attend après. Quelque chose d'autre que tu vas voir passer ou euh, tu ne peux pas comprendre le grand plan. Mais la vie est en train et, et surtout pas de. Tomber en manque, mais la vie est en train de t'emmener dans tes blessures, que ça soit le manque, encore une fois, moi, j'y arrive pas, puis je suis monoparental, ou ben non, euh, je sais pas, je viens de me séparer, ou ben non, peu importe, puis là, tu tombes dans ton énergie de manque, cette blessure-là, elle demande d'être libérée. Puis pour te demander d'être libérée, elle demande d'être vécue. Oui, je suis d'accord, on n'aura pas les enseignements pour pouvoir venir la libérer, mais ça veut dire que la vie elle, elle demande de passer par ce chemin-là pour l'instant. Donc, notre job à nous, c'est d'apprendre à vivre en harmonie avec la vie. De l'autre côté, la personne qui fait comme moi, quand François, il parle, là, je vibre. Normalement, si tu es en maîtrise de toi, la seule chose que tu suis, c'est cette vibe-là. Donc, est-ce que je vibre quand que François parle? Est-ce que je vibre quand qu on, on, on me suggère, euh, on me demande, euh, je ne sais pas, euh, une alliance, partir en à mon compte, faire tel projet? Si ça me fait vibrer, go with the flow. Parce que la tête, elle analyse, puis elle suranalyse, puis elle embarque avec ses peurs, puis son anxiété, puis la pré... elle prévoit, puis tout d'un coup que, puis tout de... Et là, c'est là qu'on n'est pas dans le flot de la vie. L'intuition, quand on est bien branché, quand on apprend à se maîtriser, c'est là, on manifeste, on avance, et il se passe exactement ce qui doit se passer. La personne qui aimerait rejoindre Reset, qui vibre, donc je n'ai pas besoin de convaincre cette personne-là, elle vibre déjà. La personne qui vibre à Reset, mais qu'elle a les peurs. J'ai peur de voir qu'est-ce que je vais découvrir. J'ai peur de reset. J'ai peur de le temps. tout ça, cette personne-là, elle est contre la vie. Cette personne-là, elle est en train de contrôler la vie. La vie est en train... La... C'est simple, la gang. La vie, elle est toujours en train de nous demander de lâcher prise. Tout le temps. La vie, elle est toujours en train de nous demander détachement. La vie est toujours en train de nous demander d'accueillir ce qui c est. C'est de se demander, vous, là-dessus. C'est le titre de mon livre, L'art d'accueillir ce qui est. Let it go. Go with the flow. Hein? Ça vibre à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est là, mais toi, tu as peur. Tu as peur de ce que tu vas découvrir et tout ça. Donc, si on ne suit pas le flow de qu ce qui est là dans notre vérité, on va agir avec nos anciens patins pour et on va dire, oh non, oh non, là, là, je ne suis pas prêt pour moi. Et là, en fait, la vie t'a apporté guidance, t'a apporté les guides, t'a apporté les bonnes personnes pour t'aider à te connaître davantage. Et toi, tu as mis le presto par-dessus, tu t'es coupé de la magie de la vie. La gang, c'est OK d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Ça fait partie de la gang d'avoir peur. Hier, je donnais une conférence sur la scène de David Lefrançois et de Yannick Alain. Je suis arrivé, je n'avais rien préparé. Il y avait une partie de moi qui avait peur. C'est OK. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai la conscience, j'ai les outils, je me calme, j'accueille que la peur. Quand j'ai la peur, je envie tout simplement. Par contre, l'autre bord de la peur, il y a de la magie. T'as-tu envie de la magie? T'as-tu envie de la magie? La première fois que tu as fait du vélo, là, tu avais peur. La première fois que tu as sauté dans la piscine pour nager, tu avais peur. La première fois que tu as conduit ta voiture, tu avais peur. Mais as-tu idée? Ce que la vie t'a apporté à cause que tu fais du vélo, à cause que tu conduis ta voiture, à cause que, je ne sais pas, le premier travail que tu as fait, la vie se trouve l'autre côté de nos peurs. Les peurs, c'est nos limitations de notre esprit. Et la réalité, c'est que pour se réaliser pleinement, il faut apprendre à faire exploser et dissoudre nos peurs. Parce que nos peurs, ça devient des croyances. Ça devient des convictions. Puis la conviction, c'est notre prison. C'est ce qui fait qu'on n'est pas capable de tomber en, 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 en couple. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas perdre de poids. C'est ce qui fait que, euh, je ne sais pas moi, on ne change pas de carrière. C'est ce qui fait qu'on reste dans les mêmes problèmes financiers. C'est ce qui fait que la peur nous contrôle. Et à cause qu'on ne se connaît pas, on laisse... La peur, c'est une pensée. Et la peur, c'est la pure illusion de notre esprit. Ça n'existe même pas. La peur, elle, elle est dans le futur. Hein Peur de me tromper, peur de voir qu'est-ce que je vais trouver, peur de passer à côté de quelque chose, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être jugé, peur de. Tout ça, c'est dans le futur, ça n'existe même pas. Hein, c'est mon ami La Haute-Seuse qui disait si tu as tendance à faire de l'anxiété, c'est parce que tu as tendance à mettre ton attention dans le, dans le passé. Ta façon de contrôler, de structurer, d'organiser, puis toute ta, ta, ta pensée, ton attention, en fait, sur le futur. Par cause et effet, si tu as tendance à être dans le futur, à prévoir, à contrôler, à structurer, et sur tes peurs, par cause et effet, tu vas faire du stress d'angoisse, anxiété. Tu ne fais pas du stress d'angoisse, anxiété parce que ta mère fait du stress d'angoisse, anxiété. Tu ne fais pas du stress d'angoisse, anxiété parce que la, so la société n'a pas de bon sens. Tu fais du stress d'angoisse, anxiété parce que tu ne te connais pas et tu ne te gères pas. Il faut se rééduquer. Mais à l'opposé, si tu as tendance à être dans le passé, tu vas avoir tendance à être dépressif. Hein? nostalgique, tous les problèmes financiers, ton ex, euh, tout ce qui est pas réglé avec ton père, tu t'es fait abuser quand tu étais jeune, euh, ton père s'est occupé plus de ta mère, tout ce qui est dans le passé, par cause a fait t'emmène l'ourdeur. C'est lourd à traîner donc ton énergie au quotidien, il y a des trous en fait dans ton esprit, on va dire ça pour mieux comprendre et ton énergie s'en va partout est-ce que dans ce qui n'est pas réglé dans la vie, on doit apprendre à faire la paix avec notre passé, puis apprendre à revenir ici dans le moment présent et avoir une vision, être détaché des objectifs et apprendre à vivre en conscience, savourer le voyage, augmenter les fréquences ici. Sortir de l'ignorance, la gang. C'est ça qu'on doit apprendre à faire. Sortir de l'ignorance. Stress, angoisse, anxiété, euh, crise de panique, c'est parce que tu ne te connais pas. Et tu répètes des schémas qui t'ont sauvé la vie jusqu'à présent. Et là, t'as peur d'avoir peur, tu es pris là-dedans, et c'est tes peurs qui te contrôlent. Et là, ça se manifeste dans ton corps, dans la biochimie de ton corps. Là, ton corps t'en donne des réponses, t'as peur, t'es en crise de panique, puis tu, 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 tu l'échappes. Mais non, oui, mais tu te connais pas. Tu te connais pas. T'as jamais appris à te contrôler, à te maîtriser, à prendre, à prendre ça ici ton nez. Donc... Et là, qu'est-ce que tu fais? Parce que la société ne comprend pas ça non plus, parce qu'ils n'ont pas été éduqués, nos médecins n'ont pas été éduqués à ça, là. nos psy n'ont pas été éduqués à ça. On fait tout de notre mieux. On est en train de s'éveiller. Et là, on gèle ça avec la médication pour se contrôler. Mais oui, mais on ne se connectera jamais! On ne se connectera jamais! Jamais! Pourquoi? Parce que la connexion, c'est la subtilité. La médication gèle la, 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 le, le contact avec la subtilité de qui nous sommes vraiment pour nous stabiliser, pour nous aider temporairement dans une rééducation, être accompagné d'un bon médecin, puis d'être accompagné dans une rééducation de qui nous sommes, c'est génial. Mais tout gelé pour plus faire du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, Chris, on vient de mettre un stop à notre vie. Excusez-moi, une montée de lait, mais on vient de mettre un stop à notre vie. Vous êtes la plus belle merveille du monde. Si vous vivez des contractions, c'est pas grave. Si vous avez tendance bipolaire, c'est pas grave. On, on doit se faire accompagner. Mais ce que vous devez comprendre, on doit se rééduquer. Et ce n'est pas une vidéo en superficie sur Facebook qui fait une rééducation. C'est un engagement, c'est une implication. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas votre maladie. Vous n'êtes pas votre étiquette qu'on vous a dit depuis 10 ans, depuis 15 ans. Vous n'êtes pas, si vous êtes sa médication, ce n'est pas grave. La médication, c'est une, une création de Dieu. Là. Ça nous aide à stabiliser. Par contre, soyez intelligent éduquez votre esprit. Si vous avez tendance dépressive présentement, si vous avez tendance anxiété, si vous avez de l'anxiété de performance, si vous avez tendance à faire de, de l'angoisse, des crises de panique, vous devez à tous les jours de votre vie apprendre à vous entraîner. C'est un must. Sinon, vous passez à côté de la vie. Vous passez à côté. Et là, non seulement ça, vous allez créer du monde, de l'insécurité. Euh, 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 passer à côté de l'abondance, de tout, vous allez pourrir votre existence. Mais la réalité, la gang, c'est que vous n'êtes pas brisé. Et si le stress, l'angoisse, l'anxiété, la médication vous dérange, c'est là qu'est le problème. Parce que tu dois apprendre à aimer ta médication avant de la libérer. Tu dois apprendre à aimer ton anxiété avant de la libérer. Tu dois apprendre à aimer ta performance avant de la libérer. Tu ne libères pas ta, ton pattern de performance et d'anxiété avec l'anxiété. Tu comprends ni avec la performance. Tu vas avoir besoin d'apprendre à avoir beaucoup de compassion pour ce que toi, tu fais comme expérience. C'est un art de vivre en pleine conscience. Tu vas avoir besoin de tourner le regard vers toi et observer qu'est-ce que tu fais comme expérience en ce moment dans ta vie. Qu'est-ce que ton âme en ce moment est en train de venir incarner. Elle vient faire l'expérience d'une perte de ses parents à l'âge de trois ans, d'un abus de son grand-père à l'âge de sept ans. Euh, D'être cocu par euh, des trois conjoints différents en l'espace de trois ans. Euh, je ne sais pas, de devenir millionnaire puis du jour au lendemain de tout perdre parce que tu as, as, as été victime de fraude et tu t'es ramassé avec rien à l'âge de 60 ans. Qu'est-ce que ton âme est venu incarner comme est venu vivre comme expérimentation, euh, est venu faire comme expérimentation dans ce grand jeu de la vie-là? Mais tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. Chaque Contraction nous ramène à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Il n'y a rien qui est grave. Il n'y a absolument rien qui est grave. La seule personne qui pense que c'est grave, c'est ton ego. C'est ton mental qui est attaché à ses blessures, qui est attaché aux émotions qu'on a vécues, qui met le blâme sur toutes les autres. Parce que si mon père ne m'avait pas fait ça, j'aurais jamais été comme ça. Puis si ma famille me soutenait, il met le blâme sur toutes les autres. Donc, en fait, ton ego est tellement puissant. Qui t'empêche à connecter avec ta lumière, avec qui tu es. Et à cause que tu n'arrives pas à connecter, tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à faire la paix. Tu n'arrives pas à porter l'amour à l'intérieur de toi. Et pourtant, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Il manque absolument rien. Par contre, il faut juste que tu accueilles. Que ce n'est pas parce qu'il manque rien qu'il n'y aura jamais de contraction. Parce que c'est grâce aux contractions qu'on se rappelle qui nous sommes. Il y a des gens, là, qui sont beaucoup plus puissants que moi pour enseigner l'éveil, pour enseigner la conscience, pour enseigner la connexion à plus grand. Mais ils ont peur. Ils ont le syndrome l'imposteur. Je suis qui pour faire ça? Ma, ma mère va me juger. Je prends pas ma place parce qu'ils trouvent que je suis au lait puis je suis ésotérique puis tout ça. Mais pourtant, ils sont tellement plus puissants que moi. Mais ils sont juste pas libérés de ce côté-là. pas grave, ça. C'est pas grave. J'ai tellement de monde dans le nouveau reset là. On a de la qualité là. Si vous avez idée là. Oh my God, on a de la qualité, des personnes qui ont joint, des gens qui sont extrêmement puissants dans la lecture d'hommes, des gens qui sont extrêmement puissants dans leur accompagnement, des psy, des coachs, des des, des, des intervenants du monde, dans tous les, dans tous les domaines, des, des, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des mamans au foyer, des gens sur le BS, du monde en chômage, des blancs, des noirs. On a du monde en Australie, on a du monde au Japon, on a du monde en France, on a du monde au Québec. On en a partout. Avez-vous idée? Faites une toile d'araignée, là. Faites une toile d'araignée. Et vous savez ce qu'on est en train de vivre? Ça, c'est mon rêve. C'est un rêve qu'on est en train de vivre. On est en train de faire une toile. Chose the process. L'arbre, il grandit. La bouture, a grandit. Elle a vécu des tempêtes, elle va en vivre encore. C'est génial tout ce qui est en train de se passer, mais François Lemie va vivre une tonne de tempêtes encore. Mais là, en grandissant, oh, on commence à faire des liens. Mais là, avez-vous idée? Oh my God! C'est de loin international. C'est pas. Euh, un petit peu Québec, euh, Québec puis un petit peu France, c'est comme 50-50, sinon 60, tout le reste de Québec et 46 France. Il y en a partout. On est en train de créer des molécules, des cellules interreliées partout qui vont marcher le terrain, qui vont apprendre à se libérer, qui vont apprendre à pas être contre les médicaments, pas être contre les médecins, pas être contre les psys, pas être contre les gouvernements, pas être contre l'humanité, pas être contre le système, mais être le changement que l'on veut voir, comme disait mon ami Gandhi en fin de semaine quand on prenait un café. Je crois profondément, à la gang, qu'on est en train d'emmener un changement dans le monde. Vraiment. C'est au-delà que François Lemier vende des programmes. Si vous ne voulez pas joindre, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Moi, ce qui m'allume, c'est faire ce que je suis en train de faire présentement. Faire des lives, en venant m'asseoir, en n'ayant rien d'écrit, je ne sais pas qu ce que je vais vous dire, mais je sais que quand je me mets à parler, ça coule. C'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Quand j'embarque sur une scène de conférence, boum, je ne sais pas, je, euh, une idée ou deux parce que quelqu'un vient de me parler, boum, et ça coule. C'est de plus en plus ce qui m'intéresse aujourd'hui parce que c'est plus grand que nous qui est là. Et même des fois, je parle, je fais comme, oh my God, c'est intéressant ce petit bout-là. Je pense que ce que j'aimerais au plus profond, c'est... Qu'on arrête de penser qu'on doit arriver, qu'on doit devenir, avec de l'argent, avec un couple, avec une maison, avec euh, la santé, avec... Euh, tu sais, des fois, quand on voit le... Ben, il faut que tu aies hey, toutes ces habitudes-là puis tout ça. faut que tu t'entraînes, faut que tu manges bien, faut que tu manges végé, du jus vert bio, euh, tu te couches tôt, tu bois de l'eau, tu vas au so as du sommeil, des relations, des ci, des ça, on ne touche jamais aux blessures, hein? Et là, c'est ça, c'est tout ça pour vivre plus longtemps. <laughs> ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Toi, tu penses que tu es plus fort que Dieu. Toi, là, si tu t'entraînes, tu fais des marathons, tu bois ton jus vert, tu fais des gratitudes, tu as une routine quotidienne exceptionnelle, tu vas vivre plus longtemps. <laughs> le bon Dieu va venir te chercher quand qu il va avoir envie de venir te chercher. Ta vie, c'est pareil comme l'étoile, là, elle va faire tout le moment que tu t'en attendras pas. Et moi, c'est peut-être même mon dernier live que je vais faire. On sait pas. Par contre, maintenant, je t'envis. Maintenant, je t'envis. Et je fais ce que je veux. Je fais ce que j'ai envie. Et je crois en mes rêves et je marche en direction de mes rêves. Même si à tous les jours de ma vie, il y a du monde qui me critique, il y a du monde qui me juge, il y a du monde qui me traite de gourou, il y a du monde qui me traite d'abuser des gens avec mon marketing, puis je suis un habile, un habile manipulateur et tout ça. And it's okay, And it's okay, c'est un reflet de moi. Tout ceux celles qui me jugent, c'est un reflet de moi que je suis en train de guérir. Maintenant, ça me dérange plus. Donc plus, moins que ça me dérange, plus moins que j'en ai. Et oui, c'est normal, c'est mon reflet. Moins que ça me dérange, moins j'en ai. Moins j'en ai. Mais ce que j'aimerais vraiment. C'est de construire une communauté de gens qui ne sont pas en compétition avec moi, qui sont des coachs, qui sont des psys, qui sont des intervenants, qui sont des thérapeutes, qui sont des médecins, qui sont des, 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 des chiro, qui sont des, des, des enseignants. Oh my God, ma gang de profs, d'enseignants, vous êtes tellement importants dans notre société. Qui sont des infirmières, qui sont des garagistes, qui sont euh, des, des gens sur la construction, qui sont des déneigeurs, des, 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 des tondeurs de gazon, des gens qui ont envie, hein, qui vibrent à ça, puis qui ont envie de tourner le regard vers l'intérieur, envie de se rappeler qui ils sont. Envie d'honorer leur divin à l'intérieur d'eux. Mais surtout, ou, pas surtout, mais aussi envie d'être en harmonie avec la vie. Écoutez bien, là, pas se reconnecter pour performer. Pas méditer pour avoir plus de résultats. Pas trouver ses valeurs pour performer puis avoir plus de clients. Pas pour être authentique et vulnérable parce qu'on attire du monde. À être tout simplement ta véritable nature. En harmonie tout simplement avec ce qui est. That's it. That's all. Là, il se passe quoi? On laisse la vie faire son œuvre à travers nous. Il se passe quoi à ce moment-là? Connecter ta lumière avec détachement, plus la vie égale pleine réalisation. L'abondance, comme elle se doit. Euh, L'émerveillement, la joie, l'amour, par contre, avec toujours en arrière-pensée que cela aussi changera. Il n'y a rien qui ne change pas. Donc, ta pleine réalisation, ton étoile dans les yeux, ton, la, le, le, le ce que tu penses qui est le stade que tu viens de toucher, tu ne vas pas le maintenir. C'est clair. Par contre, tu vas être appelé à mourir dans cette version de toi-même-là pour... Éveiller vers une nouvelle version. Encore et encore et encore. Vous savez, aujourd'hui, la personne que, 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 que je deviens de plus en plus, c'est pas la même que Reset 5. Je le vois profondément dans qui je suis. Je ne suis tellement pas la même personne que, Reset, que quand j'ai fait mon Reset 5. Excusez-moi, j'ai un petit peu de difficulté avec mon chandail. J'ai peur d'être jugé par les gens. Mais non, ce pas vrai. Là, C'est drôle parce que je change ça, mais c'est parce que je t'en ai inverse à la caméra. Euh, je ne suis pas le même. Je ne suis pas le même à l'intérieur. Il y a des circonstances, des situations, des choses que j'ai vécues qui sont venues changer mes paradigmes, mes croyances, ma perception de la vie, ma posture intérieure, ma paix intérieure. Mais dans Reset 6 qu'on démarre là, c'est clair que je ne suis pas le même. Je serai pas le même en cours de route. Parce que là, j'ai une école. J'ai une armée qui est là, là. Avec laquelle je vais me libérer, je vais me transformer, que je vais vivre mes expansions, mes contractions à moi aussi. Mais c'est clair qu'au mois de juin prochain, je suis ailleurs. C'est clair que je suis ailleurs. On s'en va au week-end prochain. On s'en va faire un bootcamp ici à saint hyacinthe Il y a 700 personnes. 700 personnes au bootcamp. Je pars, je vous annonce un scoop. Je pars en tournée de conférence avec Jérémy demain. Hein? On part en tournée de conférence qui s'appelle La vie. On a des salles de 500, 600, 700, 800, 900 personnes. Je veux être tellement une autre personne. J'ai besoin de sortir de mes peurs pour me réinventer, pour me. Et, et, et la même affaire pour lui, on va grandir. On va refaire un autre bootcamp. J'en fais un bootcamp en, en, en avril à Paris. On vient de réserver les salles. On va l'annoncer aujourd'hui ou demain. À Paris, en avril. Encore 700 personnes. Ah, ça me fait peur. Parce que la dernière personne, la dernière fois, on avait 300, si je me trompe pas. Ah, acte de foi. Mais tout ça, mes peurs sont là. Je les accueille, mes peurs. À peine un an. Jour pour jour, je suis en train de lancer une tournée de conférences en France. Je réserve plein de dates. Je ne sais pas si je vais avoir du monde en France ou du monde qui me suive. J'ai même fait des vidéos en disant je fais un acte de foi je sais que je dois faire ça. Mais en même temps, ça me fait peur. Tout d'un coup qu'il n'y ait pas personne. Hey, tu savais quoi la gang? Quand ça fait peur, tu es dans la bonne direction. Mais il faut que tu fasses un acte de foi. Et ça, personne ne va le faire pour toi. C'est normal d'avoir peur. C'est grâce à la peur que tu vas apprendre à te maîtriser. Et là. Avec le reset, avec le bootcamp, la tournée à Jérémy, avec Jérémy, plein de choses qui vont s'être passées en cours de route. C'est clair qu'au mois de juin prochain, je suis une nouvelle personne. Pas juste un mois de juin, je suis constamment en train de cheminer. Mais j'ai compris qu'est-ce qu'il faut créer comme alchimie pour devenir une nouvelle personne. C'est tourner le regard vers l'intérieur, apprendre à observer qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te met des étoiles dans les yeux. Et, et, et observer dans quelle direction tu veux t'en aller, apprendre à demander, apprendre à co-créer. Et quand la direction va apparaître, quand le souffle de vie va apparaître, les peurs vont être là. C'est génial. Il va falloir que j'apprenne à m'apprivoiser, à apprivoiser les peurs, à dissoudre mes perceptions, mes croyances, mes blocages, ma perception de la vie, à mourir dans mes, convi dans mes convictions pour me réinventer dans une nouvelle version de moi-même. Les peurs ne sont pas un ennemi, la gang. Les peurs sont des alliés. Il nous ramène à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Et si on n'a pas l'éveil, et si on n'a pas la connaissance, et si on ne connaît pas le chemin pour ça, la peur devient, euh, notre hantise, devient notre démon, nous pourrit l'existence. Et on fait stress, angoisse, anxiété. Et plus qu'on va rester dans cette peur-là, plus qu'on va commencer à s'identifier. Moi, je procrastine, je passe pas à l'action, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Ah, C'est une ça fonctionne pas, mes affaires, je mérite pas d'être aimé parce que je suis comme ça, qui tu veux, qui t'aime, pis... Et là, tu commences à te créer, je n'ai pas mon petit humain avec moi, mais tu commences à te créer une identité où est-ce que tu penses que tu es pas assez. Et là, ça, c'est la recette pour passer à côté de notre véritable potentiel divin. Donc, je répète que tu as été abusé, que tu sois un abuseur, que tu as été un prisonnier, que tu sois un prof sur, sur le burn-out, que tu sois en faillite présentement que tu euh, que, que tu sois, que aies été millionnaire, puis tu n'aies plus rien, que tu n'aies plus de sens au travers de ta vie, tu sais quoi? À partir de maintenant, là, si le bon Dieu t'a doté de ça ici, on appelle ça un nez, puis deux narines, tu es capable de faire aller du, du vent, là, et si tu as la ferme intention, et si tu as la ferme intention, et si tu as la ferme intention de devenir la nouvelle version de toi-même, c'est clair que c'est possible. Par contre, il va falloir que tu marches peut-être dans un terrain que tu n'as jamais eu tendance à marcher. Il va falloir que tu ailles la ferme intention. C'est ça qui est important. De réapprendre à vivre. Je suis profondément convaincu que chacun d'entre nous, il manque absolument rien. Tout est déjà là. C'est ça la beauté du travail que je fais. Je réactive ce qui est déjà là. That's it. Et, et, et je ne sais pas, je ne vois pas combien de personnes qu'on est en live. Et, et quand je suis dans mon flow, j'ai la misère à prendre des commentaires en même temps, mais j'ai échappé là. Ouais, C'est ça. J'ai rien à réactiver. J'ai rien à faire en fait. Juste à réactiver. C'est ça, j'allais dire. Toi, tu es en train de m'écouter peut-être avec ton téléphone comme ça. Peut-être avec euh, sur YouTube, peu importe où est-ce que tu m'écoutes en fait, avec ton téléphone, avec ton iPad, avec ton ordinateur, dans ton divan, dans ton bain, euh, je sais pas, moi, tu étais sur la route, tu peut-être dans le train, dans l'autobus, ou peu importe, peu importe. Et là, tu es tombé sur le live probablement par hasard. Et là, tu es, es là tu es Oh my God, tu me fais du bien. Oh my God, c'est à moi qui parle. C'est à moi qui parle. J'allais taper sur ma table, mais je le ferais pas. Oui, c'est à toi, je parle. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as de besoin? Pas obligé de, de rentrer dans le reset. C'est pas ça que je te dis. Rentre dans le reset, ça va me faire plaisir. Je vais t'accueillir avec toute mon, mon, mon équipe, cette belle communauté-là, ça va me faire plaisir. Mais à toi, je parle. Qu'est-ce que tu attends pour tourner ton regard vers l'intérieur? Pour apprendre à marcher le chemin de la reconnexion. Apprendre à faire la paix avec ton passé, à te libérer de ton, ta trahison, ton rejet, ton damadon, ton injustice, ton humiliation. De ton addiction de vouloir être aimé être connu, de ton aversion envers les autres, envers l'humanité qui pourrit l'existence, à, pour à se séparer constamment, à, à, à libérer ces peurs, cette perception que tu es assez, ce fameux syndrome de l'imposteur qui n'existe pas, qui est juste une création de ton mental. Cette agitation mentale qui pense que tu es comme ça, donc tu prends la médication et t'aimes pas que. T'es la plus belle machine au monde. T'es la plus belle machine au monde. Si tu vis, si tu m'entends, si tu as des sens, si tu vibes, t'es la plus belle machine au monde. Maintenant, apprends à t'en servir. Si il n'y a pas de courant dans ce téléphone-là et je le donne à quelqu'un, ça c'est mon chien, regardez. Si je le donne à quelqu'un ce téléphone-là et je ne lui dis pas comment il fonctionne, il va dire ça c'est de la merde, c'est de la merde ce téléphone-là, ça ne marche pas, il n'y a, a rien qui fonctionne. C'est quoi là, à quoi ça sert cette affaire-là? Mais si je lui montre comment réactiver le courant dans tout ça, à comment débarrer le téléphone le potentiel de prendre des photos de garder des souvenirs de libérer certains souvenirs d'avoir des applications de connecter avec d'autres personnes hein de le potentiel qu'il y a son sa connexion son énergie son énergie sa connexion sa potentialité si tu réapprends ce que tu n'as jamais eu de ton père de ta mère de de l'école de la société si tu l'as jamais eu et tu viens l'apprendre est-ce que ça se peut que ça change tout ça c'est clair que ça change tout ça d'accord mon équipe, Nat, mais Nat, s'il y a des commentaires ici que j'ai pas vu jusqu'à présent, collez-moi les dans le Skype, je vais y répondre. Regardez à quel point que je crois en tout ce que je fais. Moi là, mon partenaire, il est en haut. Mon partenaire, c'est Dieu. Mon partenaire, c'est l'univers. Mon partenaire, c'est la vie. D'accord Moi, Dieu, je vous rappelle, Dieu, c'est pas quelqu'un qui est en haut comme ça, qui dit tu ne mentiras point. Dieu, pour moi, c'est un mot qui signifie que j'arriverai jamais à comprendre le mystère de la vie. Il y a quelque chose de grand, qui est parfaitement organisé, parfaitement structuré, qui est trop, qui est trop parfait, tout est toujours parfait, que je n'arriverai pas à comprendre, que j'ai décidé de lui donner le mot de Dieu. Et j'ai décidé de respecter ce grand plan-là, parce que le jour que je respecte ces grandes vérités-là, cette harmonie-là, cette fréquence qui est à l'intérieur de moi, cette lumière qui est à l'intérieur de moi, j'ai accès à un nouveau monde. C'est pour ça que je suis dans, euh, euh, en harmonie avec Dieu. On peut appeler ça tout simplement la nature, si vous voulez, ou appeler ça la vie. Donc vous pouvez, bas, vous pouvez me suivre dans mes cours, dans mes enseignements, que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, que vous soyez, que vous faites à croire que vous êtes athée, c'est impossible, ça n'existe même pas être athée. Hein? Que athée, vous pouvez tout suivre, vous allez tout vous y retrouver parce que c'est libre de toute religion, libre de tout sexe, c'est universel. Et si tu euh, es musulman et tu vas faire un reset, à la fin du reset, je ne va pas dire, il ne faut pas que tu sois musulman. Si tu es musulman et tu appliques Hein, Qu'est-ce qui est partagé dans, dans le Coran, entre autres, et que ça t'emmène une harmonie à l'intérieur de toi. Bah! Répète! C'est simple comme ça. Répète. Si ce que tu appliques dans la religion catholique, tu l'appliques dans ton quotidien et ça te met en harmonie, répète. C'est simple comme ça. Si par contre, il y a des distorsions, il y a des incohérences, à un moment donné, il va falloir être assez intelligent pour dire waouh. est-ce que les croyances populaires, est-ce que les convictions qui sont là que mon père, que les dernières décennies, les dernières millénaires en fait sont venus nous proposer, nous proposer, est-ce que vraiment je suis assez intelligent pour prendre de la hauteur et commencer à choisir de moi-même? Mais si ce que tu appliques, ça fonctionne, puis t'es bien, profondément bien, t'en veux pas à ton père, t'en veux pas à ta mère, t'en veux pas à la société, tu es, es catholique, t'en veux pas aux musulmans, es musulman, t'es musulman, t'en veux pas catholique. C'est parfait. C'est parfait. La tolérance, l'amour, le partage, le détachement. C'est comme le bien-être, la paix, l'harmonie, c'est tout. Si t'as ça, es riche. Il manque absolument rien. Il manque absolument rien. Absolument rien. D'accord? Donc, c'est pour ça que je crois tellement en tout ce que je partage qui est universel et qui est en harmonie avec la nature. Mais non seulement ça. Moi, je laisse aller à l'intérieur de moi ce qui coule. Et moi, j'ai fait un pack en disant Fais venir à moi là, ceux et celles qui ont besoin de ce que j'ai à partager. Excusez-moi. Fais venir à moi euh, ceux et celles qui ont besoin en ce moment dans leur vie ce que j'ai à partager. Ce qui vibre à l'intérieur de moi. Et le pacte que je fais, c'est que je, je fais la promesse d'être pleinement moi-même sur toutes mes facettes. Autant impactant, autant parler de Dieu, autant parler des blessures, autant d'être con, autant de faire des niaiseries, autant. Moi, c'est François. Voici qui je suis. Voici qui je suis. Je ne suis pas le Dalai Lama, je ne suis pas le Bouddha, je ne suis pas Nicole Bordelot. je ne suis pas Rémi Tremblay, je suis François Lemay. Dans toutes ses palettes de couleurs, avec son intensité, avec un côté qui est capable d'aller en introversion, un côté qui a une énergie forte, je, le, le bon Dieu m'a créé comme ça. Et la plus belle chose que l'on peut faire dans la vie, c'est d'honorer notre divinité, de proclamer notre rareté. Voici qui je suis. Et moi, j'ai fait un pack en disant... Emmène à moi ceux celle et celles et donne-moi la potentialité de rejoindre des gens, fais ton œuvre à travers moi et, et, et moi je vais me permettre d'être qui je suis et en plus je vais garantir ce que je propose. Donc, ça veut dire que si tu joins Reset, OK, qui coûte qui a un, un coût de 5, 777 dollars et, et euh, en euros, ça fait euh, je ne sais pas, je pense que ça fait 13 000 non, non, c'est pas vrai. Je pense que ça fait 545 ou quelque chose, euros environ. Mais si tu joins reset et tu te rends compte que c'est pas pour toi et que tu vives pas et tu te transformes pas, hein? tu marches sur le terrain puis tu te transformes pas puis il n'y a pas de résultat, tu m'écris, tu écris à mon assistante en fait, tu écris à mon équipe puis on va te rembourser. OK? J'appelle appelle ça la garantie de tranquillité. Moi, là, en fait, je, je suis là pour aider les gens. Je suis dans l'abondance de toute façon. Je vais te rembourser. Par contre, cette garantie-là dure 16 semaines. Mon programme, il dure 16 semaines. Puis tu pourrais même faire le programme au complet semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu rentres dans la 16e semaine. Puis à la 16e semaine, tu dis, eh, tu dis quoi? C'est pas pour moi, je demande le remboursement, mais je viens de faire le programme au complet. La garantie, tu vas être remboursé. Puis tu ne vas pas être Ouais, mais là, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, non, tu vas être remboursé. Tu vas t'être remboursé. Et là, là, peut-être que peut vous comme c'est fou. Ah oh non, attendez un, un peu. Je suis tellement convaincu que je vais attirer des gens en résonance avec ma fréquence. C'est juste d'énergie. C'est juste des protons, des protons, des neutrons et des électrons. Est, on est juste une molécule hein, qui a protons, neutrons, électrons et qui est remplie d'informations. Et cette information qui finit, par trans qui finit par se transformer, transférer dans ma signature énergétique, je vais attirer à moi des gens qui vivent à cette fréquence-là. Peut-être que sur le lot, il y en a un, deux, trois qui vont se faire rembourser. Peut-être que oui. Peut-être qu'il y en a qui vont encore, oh my god, la garantie totale, good, ils vont venir. Et, et s'il y en a qui viennent et qui se font rembourser à septième, ils vont me faire travailler. Ça va m'apprendre le détachement. Moi aussi, il faut que je continue à grandir au travers de tout ça. Par contre, si la personne fait la semaine 3, 4, 5, six, sept, puis jamais qu'elle va vouloir se faire rembourser, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est sûr. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir vu la transformation à l'intérieur d'elle. Mais non seulement à l'intérieur d'elle, elle va avoir vu la transformation dans sa vie. Et là, ce sera pas un gars qui parle bien sur les réseaux sociaux qui m'a stimulé. Un gars qui a fait vibrer ma vérité. C'est un gars avec qui je vais marcher le terrain, avec un écosystème, une équipe, le happy team, et, 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 et une communauté, hein? la communauté Reset qui va prendre forme. Avec lesquelles je marche, qui viennent teinter mes, mes pensées, mes émotions, mon discours intérieur, mes comportements au quotidien, je vais avoir une transformation dans mon état d'être assurément. Je vais vivre des contractions, je vous assure. Là. Vous allez vivre des contractions, des expansions, des contractions, des expansions. Vous allez libérer certaines choses, mais c'est clair, car à la fin, il n'y a pas personne qui va se rendre à la 16e semaine qui va me demander un remboursement. Et si ça n'a, si ça l'arrive, la réalité, c'est que tout simplement pour me faire apprendre le détachement. C'est juste l'énergie, guys. C'est juste l'énergie, guys. Si j'ai peur de me faire voler, si j'ai peur de me faire abuser, croyez-moi, je vais me faire voler et je vais me faire abuser. Mais si je suis convaincu de ce que je partage avec détachement de toute façon, si je suis convaincu de ce que je partage avec détachement de toute façon, qu'il doit se passer ce qui doit se passer et que tout est toujours parfait, à ce moment-là, let it go. Tu, tu, tu crois-tu vraiment, François-Dominique, que tout est toujours parfait? Tu crois-tu vraiment que tout est énergique? » Oui, garantis ton programme. 100 100 Je demande un remboursement, ça ne me, me convient pas. Ça 8. Génial! Génial! Semaine 8. Jusqu'à semaine 16. Semaine 17 est trop tard. Semaine 17, là, m'emmener, c'est comme j'ai je n'ai pas fait le reset. Non, non. À toi, je t'ai donné jusqu'à semaine 16. Je t'ai donné toute la facilité pour faire ton programme. Mais par contre, le reset, vous, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez accès à reset à vie. Okay? C'est un programme de 16 semaines. Pendant 16 semaines à tous les dimanches matins, vous allez recevoir, si je ne me trompe pas, c'est à 9h, hein, Nathalie euh, Hébert, c'est sur la, le live. À tous les dimanches matins, 9h, vous allez recevoir un nouveau module. Module 1, semaine 1, module 2, semaine 2, module 3, semaine 3. À tous les dimanches matins, vous allez recevoir un nouveau module. Dans ce module-là, vous allez avoir 2-3 euh, capsules qui vont être dans ce module-là. Hein? Des capsules d'enseignement pour vous faire faire des exercices, pour vous faire prendre, peu importe là, où est-ce que je suis dans, dans mon cheminement, et des capsules d'entraînement. Hein? Il va y avoir de la méditation à toutes les semaines, ou de la visualisation à toutes les semaines, ou des, des pratiques de respiration à toutes les semaines, parce que je vous emmène dans la connaissance, mais je vous emmène dans la maîtrise, je vous emmène à la libération et je vous emmène dans, dans la manifestation. Je vais bien vous expliquer quand vous allez entrer dans le reset. Donc, à toutes les semaines, vous allez avoir l'équivalent d'environ 45 minutes à une heure et quart d'enseignement minimum, ok? Autour de tout ça, c'est comme ça, à ça ça va, ça va ressembler. À toutes les semaines, vous allez avoir un document de cours, hein? un document PDF à télécharger. Vous allez pouvoir le faire imprimer avec votre imprimante par la suite. Vous allez pouvoir le télécharger, ce document-là. Et mon équipe a fait un résumé des enseignements que je vous partage et avec des exercices que je vous fais faire. Vous allez voir, il y a beaucoup, la majorité de mes exercices, c'est des exercices d'observation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Je vais vous entraîner à venir apprendre à vous connaître, apprendre à vous observer. Parce que plus vous allez apprendre à vous connaître, à vous observer, vous allez avoir de plus en plus de clarté, mais plus vous allez apprendre à vous maîtriser et par la suite à vous libérer. Ce ne sera pas toujours facile. C'est pour ça que je veux venir ancrer la maîtrise. Pas toujours facile, mais je vous garantis que tous les anciens étudiants qui ont passé dans le reset, ils prennent goût. Il y a des ondes qui ne sont pas faciles, mais plus qu'on avance dans le cheminement, on y prend goût parce que quand tu prends goût aux ondes d'ombre à libérer, tu deviens une nouvelle version et c'est à ça qu'on prend goût. D'accord? Sur 16 semaines, vous allez recevoir un module à tous les dimanches matin. À tous les... Euh, donc, un module par semaine. À tous les trois semaines environ, au lieu d'être un module des capsules que vous allez recevoir, des vidéos que vous allez recevoir, c'est un webinaire avec moi en direct comme ça. Donc, le webinaire va être en direct sur une plateforme qui s'appelle Zoom. Et en direct sur notre groupe privé Facebook qui, qui va s'appeler Reset Poorte 6. Donc, vous allez, moi, je vais vous voir sur la plateforme, ceux qui sont en direct avec moi. Donc, si vous voulez, et sinon, c'est en direct sur Facebook, vous allez pouvoir le regarder comme ça et commenter au travers de tout ça. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on revoit des choses qu'on a vues. Hein, je vous fais progresser, je vous donne la main, je réponds aux interrogations et je vous amène un pas de plus. La beauté des webinaires, c'est que ça vous garde dans le momentum, ça vous garde dans l'énergie. Souvent, dans le passé, je me suis rendu compte que les gens disaient « Oh my God, grâce au webinaire, François, j'ai pas abandonné, j'ai resté engagé. » Et mon intention, moi, c'est pas de vendre des programmes. Mon intention, c'est que les gens marchent au terrain. Parce que si les, les gens achètent le programme, on change pas le monde. Mais si les gens achètent le programme et marchent le terrain, là, on change le monde. Là, on change véritablement le monde, d'accord? Alors, à tous les, les, les trois semaines environ, il y a un webinaire qui est là. Des fois, ça en tête aux deux semaines, des fois, ça en tête aux trois semaines. Si vous pouvez être en direct avec moi sur le webinaire, c'est génial. Donc, je vais vous voir en direct, vous allez pouvoir commenter. Si vous avez un, 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 un petit déjeuner ou un déjeuner avec la famille ou entre amis, vous avez un projet, vous ne pouvez pas être en direct ou avec moi sur le webinaire. Ce n'est pas grave. Le webinaire, dans la journée, il va se retrouver sur votre portail que je vais vous montrer bientôt. Il va, vous, il va se retrouver sur votre portail de, de, de l'espace Kaizen, de Reset, et vous allez pouvoir le réécouter et vous allez pouvoir commenter sous le... le, le le vidéo et moi et mon équipe, on est là pour aller vous soutenir. Parce que je vais vous en parler un petit peu plus loin. Je suis entouré d'une équipe qui s'appelle le Happy Team, des coachs qui ont marché avec moi le chemin de la reconnexion, qui marchent encore et encore et encore et encore et qui sont de plus en plus proches de ma philosophie, de mon mindset, d'une compréhension juste de la pleine conscience et qui sont là pour nous soutenir. Tout le monde est répondu dans le reset. L'année passée, on a répondu à 44 000 commentaires. Ce n'est pas un programme que je vous enseigne que, vous... que je vous vends ou est-ce qu'il n'y a pas personne qui a répondu? Vous avez du soutien. C'est pour ça que ça marche autant. Hein? On est en train, moi, on fait des sous avec ça. Mais je développe un écosystème, des gens que je paye, hein, qui sont avec moi dans mon équipe, qui sont en mission autant que moi. Moi, je suis juste le beau-parleur. Moi, je suis juste euh, le messager. Moi, je suis juste celui qui prend le message qui est là. Hein? Il y en a d'autres qui sont là, qui sont, sont là pour m'organiser, pour structurer. Pour emmener un meilleur branding, une meilleure image, pour soutenir la communauté, pour répondre, pour aimer, pour être plein bien, de bienveillance. Bien on a un écosystème extrêmement fertile qui fonctionne et qui amène énormément de résultats. Donc, à toutes les semaines, pendant 16 semaines, vous allez recevoir un module. Aux trois semaines environ, au lieu d'être un module avec des enseignements, c'est un webinaire qui dure environ deux heures. Et ce webinaire-là, on revoit ce qu'on a vu, je réponds à certaines questions, et plus on va avancer dans le cheminement, plus que je prends des cas en coaching et je vous ai et, et devant tout le monde, on vient désamorcer. Vous allez voir, c'est super puissant. Et ça dure pendant 16 semaines de temps. Vous allez aussi avoir, je vais répondre aux questions, inquiétez-vous pas après. Toutes les questions qui sont là, n'hésitez pas à les poser, je vais, je vais y répondre après. Vous allez aussi, en vous inscrivant, rejoindre une communauté qui s'appelle sur Facebook, une communauté exclusive qui a un bonus hein, à, 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 à votre parcours reset, un bonus dans le sens que c'est une valeur ajoutée, mais moi je ne réponds pas à, à tout le monde au travers de tout ça parce que je pas de vie finalement. Mais j'ai une équipe que je paye, qui est là pour vous supporter, pour prendre. Il n'y a pas personne qui est là puis il n'y a pas personne qui s'en occupe. J'ai une équipe qui est là et j'ai une autre communauté qui s'appelle Ubuntu, qu'eux, ils ont marché le terrain depuis un bon bout, qui ont décidé de refaire reset aussi. C'est des, des, des j'appelle ça des, des, des qui ont marché le terrain. Donc, sont, au lieu d'être des bébés Reset, c'est ceux, ceux qui ont marché le terrain qui vont venir vous soutenir parce qu'on apprend en intégrant, on se revoit dans notre évolution. Donc, cette communauté-là, c'est de l'art en bord, mes amis. Vous allez voir, c'est de l'art en bord, ça change une vie. Ceux et celles qui ont rejoint Reset, j'ai vu dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint Reset depuis euh, le début. Dès demain, hein, dès demain à 14h, heure du Québec, vous allez recevoir, 14h, donc faites le pont avec, euh, je pense, c'est 20h. Vous allez recevoir vos accès pour rejoindre la communauté Reset et parce que demain c'est fini les ventes, hein, on finit à soir et demain notre focus c'est de canaliser le monde hein? comme ouvrir les portes de l'Académie Kaizen dire, venez vous à la gang, tout doucement on va vous accueillir dans la communauté Reset, mais la formation Reset commence le 9 février prochain. OK donc, le temps d'accueillir tout le monde. Moi, je vais vous accueillir avec un vidéo et tout ça. Le temps qu'on explique les règles, comment ça va se passer, parce que là-dessus, il n'y a pas de publicité. Il y a des règles. Qu'est-ce qu'on vient déposer? Qu'est-ce que la, notre façon de faire? Parce qu'on veut que ça soit un écosystème qui est juste et bon, en fait. Donc, on va tout vous expliquer ça. D'accord? Euh, quoi donc? Donc, si, comme j'ai dit au début, si tu fais partie de ceux et celles qui ont peur, c'est OK. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'avoir peur. La question à te poser. Est-ce qu'en 2020, j'ai envie de me faire contrôler par mes peurs? Et pour toi, question Qu'est-ce que la vie est en train de m'enseigner en ce moment De faire confiance, acte de foi. Les peurs sont grandes, ta foi est juste pas assez grande. Donc c'est la foi qui va faire que tu mettes ton attention, va faire que tu fasses grandir ta lumière, ta connexion à l'intérieur de toi pour que ta foi. Euh, ta peur se dissout tout doucement. Mais la pleine conscience c'est pas de battre la peur, c'est de l'apprivoiser la peur. Elle est essentielle la peur. La pleine conscience c'est pas ça ou ça. La pleine conscience c'est ça et ça. D'accord Alors je prends quelques questions, je regarde ici, si j'en ai. Hein. Euh, bah, 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 bah. donc euh, oui c'est ça non je, on le refait parce qu'on a, on a rien compris Marie-Christine Marie, euh, a dit non on refait parce qu'on a rien compris Marie-Christine je sais pas si tu le refais je l'ai pas vu passer mais euh, parce il, y a, il y a plusieurs personnes qui ont rejoint Marie-Christine a fait des retraites avec moi euh, dans Ubuntu je me trompe pas aussi dans Reset pourquoi que j'ai beaucoup d'anciens étudiants qui refont Reset parce qu'ils sont venus intégrer profondément que Reset c'est pas une formation c'est un parcours de transformation pour transcender les limitations du moment. Et, et, et moi, j'ai évolué dans mes enseignements comme vous, vous avez évolué dans qui vous êtes. Donc, on revient dans une aventure avec une communauté, un écosystème, avec un mentor qui est nouveau, avec des enseignements qui sont répétés parce qu'il y a des choses que je vais ramener, bonifier, simplifier, améliorer, synthétiser. Hein, avec des exercices encore mieux. Et là, on, on se connaît encore mieux et on enlève une couche, une couche de comme sur la plure d'oignon. Et on se libère davantage. Pourquoi que les gens remarchent encore le terrain? Parce qu'ils savent que derrière ça, ils ont une nouvelle version d'eux-mêmes. Donc, si on a des gens de reset qui ont déjà fait une des cohortes reset, ce que vous devez comprendre, c'est que, exemple, ceux et celles qui s'inscrivent à reset 6 cette année, l'année prochaine, en 2021, ça va être reset -7, 7. Si vous avez envie de cheminer dans le reset 7, -7 au lieu de payer 777 canadiens, ça va être moitié prix. Donc, tous mes anciens étudiants ont à moitié prix, OK? Donc, si j'ai des gens de Reset, des cohortes passé qui ont acheté à plein prix, écrivez à mon assistant, on va vous arranger ça. Vous avez à payer seulement moitié prix. Par contre, quand vous achetez à moitié prix, vous n'avez pas, on l'a-tu ici, vous n'avez pas l'agenda, en fait, qu'on vous envoie. Vous pouvez l'acheter à part, mais vous n'avez pas l'agenda parce que là, on a des frais de part et, et, et d'organisation et tout ça, d'accord? Quand vous vous inscrivez à Reset, ça se peut très bien que vous, a, vous a faites partie de la courte Reset que vous, alors, vous avez déjà reçu votre agenda parce que mon équipe euh, est extrêmement efficace. On s'est déjà été bien débordé là-dessus. On sont en train d'envoyer plein d'agendas. Donc, dans les, vous allez recevoir un agenda qui est pour apprendre à vous observer, pour apprendre à, à suivre au D2D. Ce qui est important, aligner avec mes enseignements, à tourner le regard vers l'intérieur, dans quelle position, dans, quelle, euh, dans quel cycle que vous êtes. Est-ce que vous êtes constamment en train de faire des up and down? Est-ce que vous passez de fin de cycle à, 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 à fleurs à fin de cycle dans, trois fois dans une journée? On va voir c'est quoi les schémas, c'est quoi les patterns, c'est quoi les blessures qui sont là. On va apprendre à se connaître d'abord et avant tout. En fait, mon intention profonde dans le reset, c'est que vous devenez votre propre coach. Que vous deveniez votre propre maître intérieur. C'est ça le but. Combien de personnes qui sont coachs, qui sont psy, qui sont thérapeutes, qui sont conférenciers, qui sont auteurs, qui viennent dans le reset, qui bonifient leur connaissance, leur compréhension, et après ça, qu'on revoit, on revoit des teintes de François Lemay dans tout ça, il y en a plein. Et moi, je vous le dis, si vous venez dans le reset, vous pouvez prendre ce qui est là pour pouvoir partager, pour pouvoir aider, pour pouvoir enseigner. Ça m'appartient pas. Et plus que je laisse aller, hein, au lieu de dire « marque de commerce déposée », ça, c'est du grand n'importe quoi, la gang. Dans le monde de conscience qu'on est en train d'avancer, il va falloir qu'on comprenne ça. Marque de commerce euh, déposée qu'on veut contrôler. Hein, tu veux contrôler la vie. S'il se passe quoi dans ce temps-là, il n'y a plus rien qui rentre. Quand on contrôle, c'est comme un boyau. Quand tu contrôles ce qui sort, il n'y a plus rien qui rentre. Quand tu « let go » sur tout ce qui sort, dans le but d'aider le grand plan à progresser, à, à, à évoluer dans sa pleine réalisation, il y a du nouveau qui rentre. Et moi, ça, c'est ce qui m'intéresse dans mon cheminement. La nouvelle version de François, la nouvelle compréhension de la vie. Et pour ça, il faut que ça circule. Donc, si vous êtes dans le reset, vous êtes un formateur, vous faites des vidéos, vous faites des, euh, euh, du coaching, vous êtes psy, si vous êtes coach, vous êtes conférencier, vous êtes peu importe, vous pouvez prendre puis enseigner. OK? Il n'y a rien qui m'appartient. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Um, OK, uh, ici, ici, uh, j'ai reçu mon agenda depuis un bon moment. Il a changé, effectivement. On l'a ajusté, l'agenda. On l'a ajusté dans ce qui est le plus important pour l'instant. C'est mon deuxième reset et Ubuntu. Et je refais, je refais reset court 6. Denise, Denise elle, fait, elle a fait son deuxième reset. Et dans Ubuntu, ce, Ubuntu, c'est un privilège qu'on peut avoir quand on a terminé le reset de, de pouvoir se faire accompagner sur un an dans une communauté. Mais il faut avoir fait le reset pour ça. Et elle refait quoi? 6. Mais non seulement ça, son mari a décidé à Denise de s'impliquer dans Reset Quarts 6. 65 ans, si je me trompe pas. Wow! On a des gens de 82 ans. J'en ai un de 18 ans qui s'implique. Hey! C'est ça qui me fait triper, moi! C'est ça qui me fait triper! J'ai du monde qui ont pas les moyens, hein, qui c'est difficile présentement. J'ai des multimillionnaires dans le reset. J'ai des Noirs, j'ai des euh, des Blancs, bien sûr, j'ai des Français, il y a des Québécois, il y en a de partout, dans tout. Il y a du monde qui travaille dans le gouvernement, il y, y en a de partout. C'est ça qu'il faut, la gang! Donc bravo Denise, bravo Denise, tu as un modèle de ceux et celles qui marchent et qui intègrent de plus en plus. Donc, je de voir si euh, euh, c'est beau de venir. Ok, parfait. Ah, oui, je faisais de mon mieux maintenant, il y a-tu une question? Il faut-tu être juste. Ah non, bonne question. Il faut-tu être juste dans une entreprise où c'est adressé à tout le monde? Extrêmement, extrêmement, très bonne question, Dominique. Donc, si je n'ai pas répondu à votre question, ma belle gang, copiez, collez-le la, la... à nouveau comme ça. Moi, je vais l'avoir passé dans mon fil de, de, de commentaires. Non, c'est pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être en ton compte. Tu peux être travailleur autonome. Tu peux être assistante dentaire. Tu peux être, je ne sais pas, tondeur de pelouse. Tu peux... Peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. En fait, c'est simple. Je vais vous, je vais vous résumer, d'accord? Reset. Les préqualificatifs pour être dans le reset, c'est d'avoir ça ici. Ça ici. Donc, avant d'aller vous inscrire, soyez certain. Allez dans le miroir, dans la salle de bain, puis faites juste faire ça. Oh my God, j'ai tout. J'ai tout, j'ai tout. Si François il parle de moi, j'ai vraiment ça! J'ai deux narines! Je peux être dans le reset, tu vois? Quel privilège exceptionnel tu peux avoir. Peu importe ce que tu fais. Tu sais quoi, la beauté, c'est quand on arrive ensemble, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui a de l'argent dans son compte de banque. On ne sait pas qui a Reset est sur des cartes de crédit pendant six mois de temps. Ça a été moins longtemps, ces affaires-là. là. On ne sait pas euh, qui vient de se faire séparer. On ne sait pas qui qui est en train de faire une relation, euh, qui est en train de tromper son mari présentement, puis elle ne sait pas comment lui dire. On ne sait pas, peut-être qu'on saura en cours de route si elle veut le partager. On ne sait pas qui a été abusé. On ne sait pas que... On sait pas. On commence, on marche tout à terrain et on est tout pareil. Tout pareil. Puis là, tout de coup, il y a du monde qui va commencer à se libérer, puis à se transformer. Vous allez voir quest ce qui va se passer. C'est puissant, quelque chose d'exceptionnel. Euh, oui, Skype, non, non, mon ami, je vais prendre les questions Nathalie là, mais c'est juste que j'aime encore mieux les avoir ici, comme ça, je peux les mettre à l'écran. Est-ce que les questions doivent être? Est-ce que les questions doivent être en lien avec le programme R7 ou ça peut être autre chose? Idéalement avec le programme Rouys 7, mais. Si c'est quelque chose de pas trop exactement. François, comment on fait pour libérer telle, pro... telle blessure? Apprendre à s'aimer, apprendre à libérer les blessures et tout ça. It's a process. Il faut prendre de la hauteur. Il faut comprendre comment fonctionne notre, notre véritable nature. Il faut s'impliquer dans un cheminement. Le fast-food du développement personnel n'existe pas. Donc, si c'est une question qui ne demande pas un développement de trois heures, ça me faire plaisir d'y répondre. Euh. Ouf, j'ai encore ce qu'il faut, c'est you there, my friend, yes. Julie, j'ai vu que ton inscription passait hier, mon ami, j'étais très content de te voir aussi à la conférence hier. Um, OK, Nathalie, mes deux Nathalie, hein, parce que dans mon équipe, j'ai trois Nathalie. Moi, c'est simple comme ça, j'ai simplifié, j'ai trois Nathalie. Et um, j'ai aussi Geneviève, On a fait, elle a fait une demande au gouvernement de changer le nom parce que je trouvais ça compliqué un peu, fait qu'elle va s'appeler Nathalie dans la prochaine année. Alors, um, c'est pas vrai, croyez pas tout ce que je dis. Viviane, euh, je suis en Floride jusqu'en avril 2020. Reset, est-ce que cest dessus euh, avec Internet où on doit être présent au Québec? Non, 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 non. Reset, c'est sur le web. Si tu as un iPad comme ça, hein? Pas obligé d'être le monstre iPad comme le mien, mais si tu es un iPad comme ça, si tu as un téléphone comme ça, si tu peu importe, si tu accès à Internet, où est-ce que tu t'en vas, tu peux me suivre partout. Si, si moi je m'en durant le reset, je m'en vais en Afrique, je vais avoir Internet. Donc, de certaines fois, je vais faire un live puis tout ça, j'ai Internet. Donc, avec Internet, maintenant, on peut faire ça n'importe où. Tu peux être en train de faire du ski puis arrête dans un restaurant puis tu suis, ton, tu suis la capsule ou le live du midi. Tu peux être en route pour t'en aller au travail puis tu suis un live. C'est sur Internet. Donc, c'est sur Internet. Sur tous les modules et les webinaires, tu vas avoir la possibilité de télécharger. Je vais vous le remontrer un petit peu plus tard en, en direct, je vais vous partager. Tu vas avoir la possibilité de télécharger l'audio. Pour l'écouter sans voir d'Internet. Pas le vidéo, par contre, parce qu'on ne veut pas que ça se ramasse partout sur Internet, mais tu vas avoir la possibilité de télécharger l'audio pour l'écouter dans ton téléphone ou ton ordinateur sans avoir besoin d'Internet. Euh, Diane, la peur du jugement est trop présente en moi. Que ta volonté soit faite, Diane. C'est un choix, c'est une peur. Une peur, c'est de l'ignorance de qui je suis. C'est un manque de maîtrise de soi. Donc, à un moment donné, il faut avoir confiance, il faut, faut, faut développer hein, une meilleure paix d'esprit. C'est quoi la peur? C'est un manque de paix. Donc, maintenant, soit j'apprends à battre la peur ou soit que je m'entraîne à développer la paix à l'intérieur de moi. C'est un choix. Et pour ça, ça demande une rééducation. C'est OK. T'as peur? C'est OK. T'as pas d'argent? C'est OK. Tu viens d'avoir un accident? C'est OK. Tu viens d'avoir un cancer? C'est OK. Ton père va mourir dans trois semaines? C'est OK. Ça veut pas dire qu'on est d'accord, c'est OK. C'est OK, c'est OK. Voici ce que je fais comme expérience présentement. C'est toujours OK. Le moment que c'est OK, tu regagnes ton pouvoir. Le moment que n'est pas OK, tu es contrôlé par la pensée, tu es esclave dans la vie. Marianne, euh, j'ai dit au revoir à une amitié qui s'est révélée fausse et toxique, mais je n'arrive pas à être en paix avec ma décision. Je suis dans le regret et la culpabilité. Comment dois-je faire pour faire la coupure et accepter Si tu regrettes, reviens et excuse-toi. Je suis désolé. Te couper pourquoi Probablement, Marianne, te couper parce que tu étais dans tes blessures. De rejet, d'injustice, tu me le dis. Hein? Il y avait quelque chose que ton ami elle faisait vivre. T'as dit j'essaie d'aller le faire d'aller souffrir, te couper. Mais la réalité c'est qu'en coupant les ponts, la gang, Marianne n'importe qui d'autre, en coupant les ponts là, en coupant les ponts, on se revire d'abord, puis on manifeste encore la même chose. La vie demande qu'on se libère. Que dès que tu coupes les ponts, tu es en train de contrôler la souffrance. Tu te revires de bord, tu la portes encore la souffrance. Et là, tu m'as attiré un conjoint, un frère, un ami, un enfant, un nouveau collègue de travail. Moi, j'appelle ça des anges déguisés en trou du cul, qui te font chier. Et là, tu coupes les ponts et tu fuis et tu changes de ville et tu déménages, tu n'es pas capable de sentir, et tu t'en vas dans un autre pays, puis encore une fois, mais oui, c'est toi. C'est ton reflet. Maintenant? Quand je dis tourne le regard vers toi, il faut que tu apprennes à faire la paix avec ce qui est là. Quand je vais vous emmener à faire la paix avec votre passé, jamais dans les enseignements que je vous partage, dans les techniques de libération que je vous partage, jamais vous allez avoir besoin d'aller voir la personne et lui demander pardon et lui offrir leur pardon. Jamais. La paix, la gagne, c'est en soi qu'on doit la faire. C'est en soi qu'on doit emmener la paix. Alors, prendre beaucoup de paix, beaucoup d'amour, une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise, mais vous allez y arriver. D'accord? Donc, d'abord et avant tout, Marianne, si tu regrettes, je suis dans le regret et la culpabilité. L'humilité, la vulnérabilité de dire, hey, tu sais tout mon ami, je suis désolé. Tu m'as fait chier, tu m'as blessé, tu m'as. Mais, mais sors de tes blessures, apprends à sortir de tes blessures. Parce que si tu t'en vas l'avoir, tu m'as fait chier que pas dû me faire ça, puis tout ça. Elle va réagir, puis là, vous allez encore couper. Prends, ça j'en parle beaucoup dans le reset, prends plus grand de responsabilité que tu devrais prendre. 150 200 300 de responsabilité. Parce que l'autre elle n'est peut-être pas à la même place que toi. Si tu regrettes, c'est parce que cette personne-là est importante pour toi. Si dans la culpabilité, c'est parce que cette personne-là est importante pour toi. Ramène la paix dans ton esprit, tu apprends à faire la paix. Et, et, et excuse-toi si tu as besoin de t'excuser. C'est simple. C'est simple. Qu'est-ce que c'est simple? C'est tellement simple. Pat Aaron, comment se préparer au max pour le 9 février? Fais plein d'autres choses sauf reset. <laughs> Mais à un moment donné, il faut vivre. Hein? Là, présentement, moi, je suis en lancement. Je travaille beaucoup. Hein? Depuis que j'ai fait mon webinaire, je travaille beaucoup. Je fais des lives, je compose mes courriels, je réponds à la communauté, on, a, on, on, on rentre des gens. Je suis en train de euh, coacher toute mon équipe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un gros travail, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais à un moment donné, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour travailler, puis il y a un temps pour vivre. Ok Ça, je vais vous ramener régulièrement là-dessus. Et euh, Pat, just go with the flow, man. C est, c est, je ne me rappelle pas, Pat. Pat, Aaron, c'est tu une femme ou un homme? Je ne m'en rappelle plus. Je suis désolé, mais il me semble que toi, tu es un homme. Je pense que c'est ta femme qui m'a écrit par rapport à toi. Elle a fait « Reset, je me trompe pas ». Tu me le dis si je me trompe pas ou, ou l'opposé. Peu importe. Comment tu te prépares? Just go with the flow. Attends mon prochain courriel. Tu vas le recevoir demain. On va t'inviter dans le groupe. Dans le groupe. Tu vas m je vais avoir fait une vidéo je vais vous expliquer comment ça va se produire. Et tout doucement, tu continues. Tu manques rien. Tu n'as pas besoin de te saouler de mes vidéos. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Et je vous rappelle, le processus va être un pas à la fois. Je vais vous reparler des grandes vérités universelles, du changement, des cycles. Vous allez revoir le serpent qui part, qui change de peau. On va parler de la connaissance, de la maîtrise, de la libération, de la manifestation, quelles sont vos valeurs, les étoiles dans les yeux, les blessures. Il y a plein de choses que vous avez déjà vues. On n'a pas le choix. On va reconstruire. C'est un reset. On va reconstruire un pas à la fois. Et là-dedans, des fois, de temps en temps, je vais secouer mes anciens étudiants. Oh, vous autres, vous pensez que vous le savez, hein? Parce que quand tu embarques dans un processus en disant Oui, François, ça, je le sais, ça, je le sais, ça je le sais La vie est en train de te demander peux tu peux-tu fondre dans ton ego? Tu peux -tu être davantage dans l'humilité, dans le détachement, avoir l'attitude du beginner, de, de celui qui continue à apprendre, hein, puis à venir fonctionner. Euh, Lynn. 8, 7 nous allons avoir des trucs à savoir quoi répondre à quelqu'un qui nous blesse, rabaisse, même si c'est un parent proche. Ah oh oui, moi je vais vous faire là, hein, euh, des, 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 des réponses cuites. Là. Des, des réponses cuites d'avance. Vous allez avoir, en fait, un petit carton, et euh, quand quelqu'un va vous blesser, vous allez lui répondre les réponses que votre gourou vous a dit de répondre. Non. Non. Par contre, vous allez voir que quand quelqu'un vous rabaisse, un parent proche, quand quelqu'un vous blesse, vous allez voir le scénario totalement différent. Vous allez faire, qu'est-ce qui vient de se passer en intérieur de moi? Et là, je vais vous enseigner à apprendre à vous maîtriser. Je vais vous enseigner à apprendre qu'est-ce que je pousse comme énergie par la suite. Au lieu d'être dans ma rage, dans mon détachement, pas mon détachement, mais ma... euh, l'injustice, il y a quelque chose qui est là à l'intérieur de vous. Donc, je vais vous apprendre à vivre dans une, une nouvelle façon. Et quand on va vivre de cette nouvelle façon-là, les commentaires vont changer, les attitudes, les comportements des autres vont changer. Et bien sûr, des fois, je vais vous emmener une compréhension de dire OK, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qui ont le niveau de conscience d'intelligence, je, je vais vous outiller. Mais c'est pas vrai, je vais vous donner des paroles cuites. Ça, c'est sûr que non. C'est sûr que non. On va parler des patates. Aïe aïe aïe, Valérie, t'as pas idée? T'as pas idée? Reset, c'est un processus de libération. Switch, c'est un processus de maîtrise de soi. D'accord? Reset, on vient toucher à la maîtrise aussi, mais c'est le processus de libération. Donc, c'est clair qu'on va parler des patates. Mais ma belle gang d'anciens, vous savez c'est quoi, vous, ceux celles qui sont de au Bootcamp, vous savez c'est quoi, mais faut pas oublier qu'on a plein de bébés Reset qui joignent l'aventure et qui ne savent pas c'est quoi les patates. Donc, on ne viendra pas les étourdir au travers avec ça au départ. Mais croyez-moi hein, que quand vous avez terminé les resets, vous allez véritablement comprendre. Qu'est-ce que c'est les patates et à quel point ils qu sont précieuses dans notre cheminement? bon bon boum, OK, je m'en viens de l'autre côté ici. Isabelle, j'ai fait reset courte 4, j'hésite pour faire une deuxième courte. Génial! Hésite pourquoi? Isabelle et tous ceux et celles qui pensent comme Isabelle. Qui qui hésite? Ta tête? Pourquoi qu'elle hésite? Elle hésite de. Dépenser son argent, elle ne veut pas être identifiée encore une fois à une autre formation, elle ne veut pas avoir peur d'en faire une autre formation. OK? Ça pourrait, ça serait normal, un discours du mental, mais est-ce que le cœur, il dit quoi? Le cœur, s'il dit go, vas-y. Par contre, si la tête, a dit je ne veux pas manquer ça, ça a l'air génial, je ne veux pas manquer ça, si ta tête te dit ça présentement, viens pas. D'accord? Parce que là, c'est ton addiction qui te drive ta peur de passer à côté de quelque chose qui te drive. Moi, c'est pas ça, je veux te suivre. J'aurais tellement le potentiel de manipuler le monde, là. Mais tellement. Il te manque ça. Il te manque ça. Tu dois continuer. Tu dois persévérer. Arrête. Tu non! Si ta tête, te dit, mais là, ça a l'air génial ce que François partage. Je veux pas manquer ça. C'est ta tête. Si ton cœur fait ça, 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 là, ça, c'est all-in. Mets toute ta fortune là-dessus. Toute ta fortune là-dessus. Si ton cœur fait ça, tu mets toute ta fortune. Et par contre, ça se peut que ton cœur fasse ça et que les peurs soient là. C'est génial, c'est normal. La, la tête va t'emmener ses fils, ses perceptions, c'est normal. Mais il faut suivre ce souffle de vie-là, cette lumière-là. Moi, c'est là que je vous emmène, en fait. Le corps ne ment pas. C'est simple. La tête a la, la, la potentialité de mentir, mais le corps ne ment pas. Soyez juste vigilants de ne pas jouer reset parce que votre ami a joué un reset, parce que la communauté a joué un reset, parce que François, il dit que c'est une armée de conscience, puis moi, je veux faire partie de l'aventure, puis je veux. Ce n'est pas ça qu'on doit suivre comme réponse. Tu dois suivre ta guidance intérieure. La façon que ton âme parle à l'intérieur de toi, c'est à travers ton corps. Et ce ça mise tout. Mais de peur de passer à côté de quelque chose, je ne veux même pas te voir dans le reset. Tu comprends-tu? Parce que je ne vais pas t'aider. Tu vas venir prendre, en même temps. Même si je dis je ne veux pas pas voir, en fait, je contrôle. C'est que si tu te ramasses dans le reset, c'est parce que tu dois te ramasser dans le reset. Même si tu as fait un choix avec ta tête, tu dois te ramasser dans le reset. Tout est parfait. Tout est parfait. Mais hop. De façon optimale, suivez le flot qui est là et pas celui-là. D'accord? Est-ce vraiment utile la répétition? Oui et merci. C'est clair que c'est utile. C'est clair que c'est utile. Moi, je le vois. Je prends Geneviève. Geneviève, tu as fait des retraites avec moi, tu as fait euh, euh, des, des, euh, des resets avec moi, tu es dans Ubuntu. Puis je sais que Geneviève, que tu n'appliques pas parfaitement, tu n'incarnes pas parfaitement, mais tu incarnes beaucoup plus. Tu t'es libéré d'une façon exceptionnelle, tu t'es transformé d'une façon exceptionnelle. Et pourquoi? Il faut continuer à répéter, 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 répéter. Même pour moi, moi aussi je dois répéter, moi aussi je dois continuer à apprendre, je dois continuer à me libérer, à me purifier. Donc la répétition, hein? euh, euh, c'est Anthony Robbins qui dit ça, la répétition c'est la mère des habitudes. Hein? Et je dois répéter, 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 répéter. Si je répète, je répète, je répète, je répète, ça devient une habitude, un nouveau conditionnement. Donc c'est un must. « Diane, comment m'aimer? » Écoute, ça fait tellement longtemps que ça roule, ça, cette affaire-là. Comment je fais pour m'aimer? Comment je fais pour m'aimer? C'est la même affaire. Tantôt, c'est Diane qui disait « mes peurs ». me l'a dit « m'aimer ». C'est la même affaire, gang. C'est la même affaire. Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Diane, pour toi. Et toutes les Diane sur mon groupe ici. Vous avez reçu... Est-ce que je suis capable de partager ça ici? Boom! Et si je fais ça, ça fonctionne. Ti... Boom. Yes, sir. Vous avez reçu, ma belle gang, euh, je lève ça ici. Si vous êtes dans ma communauté, vous avez reçu une méditation qui s'appelle la méditation La Totale. Diane, tantôt, tu m'as parlé de tes peurs. Comment faire les peurs? Comment faire pour amis? Donc, c'est une profonde insécurité qu'on entend. Un profond, un prof, une profonde, je suis incomplète. Il me manque quelque chose. Donc, il y a probablement de l'anxiété dans la machine et une déconnexion avec ce qui est là. OK? C'est quoi? Diane et tous les Diane de ce monde. Diane, c'est un reflet de moi, là. Hein? Diane et tous les Diane de ce monde, il manque rien. Il manque rien. Tourne ton regard vers l'intérieur. Je vous ai partagé la méditation la totale. Répète la méditation la totale pendant sept jours et reviens me voir. Tu vas voir que l'angoisse, l'anxiété, les peurs seront plus les mêmes. Tu vas voir que l'amour de toi, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire, Oh my God, je suis tellement hot, tu vas tellement t'aimer. En fait, c'est juste à l'intérieur de toi. Ce que tu fais comme expérience de tes peurs, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. L'amour de toi, l'amour, tout simplement, l'amour, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. La rage, si jamais l'autre, c'est à l'intérieur. Tu peux pas haïr quelqu'un, tu peux pas être jaloux de quelqu'un, c'est tout simplement l'expérience de qui tu es. C'est un citron qui est pressé à chaque instant. Donc, à chaque fois que tu vis une émotion, c'est toujours à l'intérieur. C'est qui tu es. Maintenant, si on n'aime pas, il faut commencer à changer la chimie à l'intérieur, la recette à l'intérieur de notre attitude, de notre pensée, de notre attention, de notre concentration, de notre focus. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Tu as tous les ingrédients au monde pour faire le beau gâteau. Par contre, il faut avoir l'humilité de réapprendre à vivre, l'humilité de se reconnecter avec qu ce qui est déjà là à l'intérieur de moi. De soi. Je crois en toi, Diane. Je crois en toi. Tu le marches au terrain. Mais tourne le regard vers l'intérieur. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est pas moi, mais ça, mais ça, mais lui, il me fait du bien. Moi, je pourrais vous faire du bien, la gang. Écoutez-moi, 12 heures par jour, je vous jure, je vais vous faire du bien. Vous allez faire Moi je l'aime, mon François. Moi je l'aime, mon François Lemay! Oh, qui me fait du bien! Mais oui, mais tu te transformeras pas! Tu te transformeras pas, j'en ai rien à foutre que tu suives mes vidéos où je parle à tout le monde. J'en ai rien à foutre de suivre des moutons, d'avoir des moutons qui, j'en ai rien à foutre. Intègre! Tourne ton regard vers l'intérieur. T'es plein de lumière. T'es la plus belle merveille du monde. Il va falloir que tu apprennes à mourir dans tes paradigmes, dans tes, convi dans, dans tes convictions, dans tes croyances, dans, ce que, dans tes blessures. T'es la plus belle merveille du monde. Et pour pouvoir avoir accès à ce trésor-là, faut que tu regardes à l'intérieur il faut que tu sois prête à mourir dans ce que tu penses que tu es. Et tout ça est ce process. Mais il faut incarner. Appliquer, c'est la clé, la gagne. Parce qu'on peut regarder des conférenciers inspirants, lire les livres de Lise que Je l'aime tellement, Lise Bourbeau! Regardez, regardez Mathieu Ricard, qui est intéressant, Mathieu Ricard! Regardez Sakuru! Oh, Puis la neuroscience, ça, je, je t'en parle pas! Oh, Puis l'accès par consagrinage, ça, ça c'est génial! génial. Oh, J'ai commencé le yoga. Oui! J'ai commencé à faire du yoga. Les jus verts, ça, c'est... C'est un tech bon. Si tu tournes pas ton regard vers l'intérieur, si tu apprends pas à connaître qui tu es vraiment, si tu t'accueilles pas dans qui tu es vraiment, si tu n'es pas prêt à mourir dans qui, tu vas souffrir toute ta vie. Toute ta vie. Et là, tu vas t'identifier à qui tu n'es même pas. J'ai pas mon petit humain, mais mon petit humain. Et là, ça va être résistance, insatisfaction. Et ça va, être, ça va être difficile. Excusez-moi si je prends feu parce que je suis, je, je suis tellement porté par ce que j'enseigne c'est comme pour moi c'est si je portais l'injustice ça serait probablement la plus grande injustice de la vie que je voyais en disant c'est injuste personne ne sait que tout est là mais je porte pas l'injustice puis ça fait comme si tout est là il manque rien est-ce qu'il y en a quelques uns qui ont envie de penser comme moi là, puis de comprendre que c'est là marchant le terrain et c'est ça mon intention c'est de dire ok on va pas dire regardez mes beaux certificats moi on sent nos, nos certificats comprenez on va rayonner on va être en paix on va aimer on va pardonner on va se détacher on va accueillir on va être dans le flot de la vitalité on va s'observer on va se choisir pour avoir des étoiles dans les yeux. On va se cueillir quand on se rend compte qu'on n'a plus les étoiles dans les yeux. On va être un message au monde entier. Ton certificat, on n'en a rien à foutre. Ta signature énergétique, ta fréquence, ton attitude, tes émotions, ta qualité d'être. Ça c'est important pour changer le monde. Ça c'est important pour tes clients. Ça c'est important pour tes enfants. Ça c'est important pour ton conjoint ta conjointe. Ça c'est important pour toi quand tu te regardes dans le miroir. Et tu sais quoi Ça, il existe un chemin qu'on appelle le chemin de la reconnexion pour apprendre à faire de l'alchimie véritable pour qu'on connaisse le véritable bonheur et qu'à l'extérieur on connaisse le véritable succès, ton bonheur, ton succès, pas celui de François, le tien. Il manque rien, la gagne, croyez-moi qu'il manque rien. C'était une deuxième montée de lait. Mais, 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 mais je vous aime, là. J'espère que vous sentez, hein. Tout ça, ces vidéos-là, vont toutes rester en, sur le live, là, sur, sur le web. Il va rester du contenu, là. À quel point Reset fonctionne s'il y a plein de monde qui veulent refaire la même formation plusieurs fois? Je ne sais pas. D'après moi, ils n'ont rien compris. D'après moi, ils n'ont rien compris. Euh... En fait, tu as déjà fait un gâteau qui était vraiment bon, puis tu as encore faim. Fait que tu vas refaire un gâteau pour pouvoir le faire et tu vas peut-être améliorer ta recette mais c'est la même affaire pour les autres ils améliorent leur recette ils ont en fait la réalité en plus que tu dois comprendre Kathleen c'est que ceux et celles qui s'inscrivent ils ont le potentiel de refaire 5, leur 875 leur 873 leur 872 leur 871 ils ont le potentiel ils ont accès à vie donc 40 heures d'enseignement qui ont encore déjà accès à vie mais en fait à cause qu'ils ont marché le terrain être en live dans un processus de coaching avec François donc pas des vidéos enregistrées, être en live dans un processus de coaching avec François, grandir avec une communauté et une famille. C'est de la dynamite, c'est de la nitro. Et c'est ça qu'ils ont compris. C'est comme te beau avoir les anciennes versions, tu peux l'avoir à vie. Mais il y en a qui ont décidé ça. Moi je refais les anciennes versions, puis c'est génial. Mais il y en a qui vont dire "Attends, ils font à 50 50 de 777, ça fait 300 quelques dollars. Pendant Quatre mois, je paye 300 pas quatre, pendant quatre mois, mais à tous les mois. Puis, ils ont la possibilité de le mettre sur ces versements, eux autres aussi. Et, et donc, calcule comme tu veux, mais je sais pas, mettons 50 par mois. Hey! 50 par mois pour rester en énergie, pour te faire ramener, pour apprendre à être accompagné, pour te faire libérer, pour avoir une communauté, pour venir te soutenir, puis tout ça. À un moment donné, ça vaut deux McDo, hein? Ou ça vaut euh, euh, la, 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 une addiction à n'importe quoi, je sais pas moi, puis à, euh, euh, des, des moments dans ton divan que tu étais tu ne comprends plus qu est ce qui C'est une communauté, c'est un entretien. Imagine, quelqu'un s'en va pas à tous les mois. C'est beaucoup plus puissant un reset que quelqu'un s'en s'envose pas à tous les mois. C'est beaucoup plus puissant un reset que quelqu'un qui se fait masser une fois par mois. Mais tout ça, c'est important, par contre. Donc c'est pour ça. Et ceux et celles qui refont le reset, écrivez-le pourquoi vous refaites le reset. Donc, c'est pas parce que ça marche pas. Parce que ça marche pas, il y aurait pas autant de monde qui le ferait. Passez-y. Si, si Reset ne fonctionnerait pas, le monde ne referait pas Reset. C'est clair. Et je n'aurais pas autant de monde qui ont l'intention de vouloir faire Reset. C'est parce que ça fonctionne. C'est parce qu'il y a un écosystème qui est là. Euh, donc, Denise, elle a répondu. C'est le pouvoir de poursuivre le terrain. C'est toujours différent. Quand François évolue, il change aussi. François évolue, il change. Regardez, un exemple. J'ai fait des retraites qu'on appelle Vipassana. Les retraites Vipassana, c'est des retraites de méditation. Et pleine conscience ou est-ce que tu tournes ton regard vers l'intérieur et pendant 10 heures par jour, tu médites. Okay? Donc, pendant 10 heures par jour, tu médites, tu observes ton esprit. Ça dure 10 jours de temps. Donc, tu médites l'équivalent de 100 heures en l'espace de 10 jours. J'ai fait l'expérience 13 fois. Donc, si on prend la même euh, compréhension que tu, qu qu que, que tu m'as partagée, ça ne doit pas marcher si tu l'as fait 13 fois. Mais oui, mais je l'ai fait 13 fois avec des François différents. J'ai fait 13 fois reset, pas reset, mais vipassana avec un François différent. Et si, je vous jure que si je veux le refaire, si je refais Vipassana présentement, oh my God, je saisis quelque chose d'autre. Parce que c'est en dedans de moi. Si tu t'en vas, ah, oh, quelle belle analogie qui s'en vient. Si tu t'en vas dans l'espace, puis tu as tripé sur ton expérience dans l'espace, oh my God, tu reviens. Est-ce que ça se peut que tu aies envie d'aller voir l'espace? Parce que tu as vu un infime parti. Oui, mais tu, tu l'as encore en vidéo, te filmer, mais oui. Mais as tu as envie de le revivre aller voir les différentes parties? Puis un nouveau un nouvel écosystème avec des anciens euh, des anciens participants d'autres courtes avec qui tu as grandi, qui sont encore là, et des nouveaux bébés resets aussi qui sont là, c'est un écosystème, c'est tellement fertile, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Euh, J'ai. Poser une question, je t'en ai pas eu de réponse. Pauvre toi, André. Oh, ça doit être l'injustice qui parle. Mais pose-moi ta question. J'ai posé une question, et pas eu de réponse. Alors, pose moi ta question. En coller en bas. Je vois pas ta question. J'ai trop, j'en ai trop. j'ai euh, euh, pas reçu ça tellement. François, donc, Louise a dit j'ai pas reçu ça. Ça devait être la méditation. Louise, tu dois l'avoir reçu si t'es dans, si dans mes courriels. Sinon, regarde dans tes spams. François, j'attends euh, le reset pour mieux gérer mes soucis que tu connais. Tu vas le faire très bien, mon ami. Tu chemines d'une vitesse exceptionnelle. It's a process. C'est ça qu'on doit comprendre. Vous savez, un, mon slogan, c'est It's OK. It's a process. Je n'ai pas rien qui est marqué, qui, qui l'a marqué ici. Ça donne drôle. Mais c'est ça. It's OK. Est-ce que je peux accueillir ce qui est là? It's a process. Un processus de changement, de transformation, de pleine réalisation. Euh, je descends ici, je veux la faire, la méditation totale. Est-elle dans nos courriels? Là? Regarde, on va faire ça simple, 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 simple. OK? Vous bougez pas. Moi, je vous fais ça très simple. Ta 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 OK, OK. Si vous voulez la méditation totale, faites juste plein de petits pouces comme ça, puis plein de petits cœurs. Et si vous la, voulez, vous la voulez, je vais vous la mettre direct dans les commentaires si j'ai beaucoup de pouces. Donc, quand que je vais voir que j'ai plein de pouces, donc je reviens ici, quand je vais voir qu'il y a plein de pouces, je vais vous mettre dans les commentaires la méditation, la totale. OK. Ah, c'est pas beaucoup ça. C'est toujours beaucoup. Bingo! C'est bon ça. Bingo, elle est là. Que votre volonté soit faite. Méditation à totale, le lien direct. Amusez-vous, amusez-vous. Pourquoi j'ai décidé de la partager, la méditation? C'est une méditation, entre autres, que je partage dans le reset, que vous allez revoir, hein? Une nouvelle, une différente, mais vous allez la revoir. C'est parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'au lieu que ce soit quelqu'un qui est en train de te parler, et de te dire c'est quoi la vie, je suis juste en train de vous guider et de dire, viens voir! Viens voir! Viens au party! Viens au party pas, j'ai un beau party, tu vas voir, mon party est en tête exceptionnel. Là, c'est ça que je suis en train de faire. Mais là, je suis en train de dire, viens au party. Viens vivre l'expérience du party, puis après ça, tu sais quoi? Tu feras ce que tu veux. Tu prendras la décision ce que tu veux. Et quand tu vas vivre l'expérience, tu vas faire comme, oh boy, qu'est-ce que c'est ça? Parce que vous savez, les commentaires qu'on a eus par rapport à ça sont juste hallucinants. Hallucinants, OK. Donc là, je dois revenir à ma vidéo aussi. Parfait. Euh, J'adore ta vibe, tu es rayonnant. Merci, ma belle Guylaine. Merci. Et porter, c'est tellement vrai, il, il croit vraiment, j'ai ressenti. Good, ça doit être bon. Hein, J'essaie de voir les commentaires. Merci pour vos, vos commentaires. Je prends toujours un temps après pour aller lire tout le monde. Hein. Euh, J'essaie de voir. Sinon, je prends les questions que mon équipe me posait ici. Des fois, c'est plus, plus simple. C'est juste que j'aime ça faire apparaître à l'écran les questions. Euh, ici, Nat Côté, tu pourrais peut-être répondre à cette question-là, s'il vous plaît. La première chanson, c'est qui qui la chante? Donc, les chansons que j'ai utilisées dans la méditation de la totale, juste à coller dans les commentaires, peut-être, s'il vous plaît. Euh, ici, je m'étais inscrite à Switch, mais je ne suis pas arrivé au bout. Malgré tout, puis je m'inscris à Reset. Mais oui, mais il n'y a pas personne, en fait. Switch, il est a, y a, y a trop nouveau. Il Je pense qu'on a à peine 10 personnes qui, sont, qui ont terminé Switch parce que c'est un module qui est libéré à toutes les semaines. Donc, il euh, euh, y a... C'est sûr que sur celles, même sur celles que vous avez eu en bonus switch vous n'allez pas avoir terminé switch avant reset. N Oubliez jamais que vous avez accès à vie. Okay? Ce que je vous suggère la différence entre switch et reset switch vous avez un euh, reset vous avez un groupe Facebook aussi où est-ce que vous êtes accompagné donc allez-y avec reset allez-y avec reset faites switch à l'Internet si vous l'avez si vous voulez sinon allez-y avec reset puis vous ferez switch après ou vous... faites l'ensemble -le si vous avez euh, le temps mais vous allez voir que dans reset il y a même des choses de switch qui reviennent qui sont essentielles que je dois partager. Mais ce n'est pas une course, là. On ne doit pas performer dans notre développement personnel. Trouvez un espace dans votre temps. Si vous êtes capable de faire peut-être du Netflix ou du Facebook, hein, si vous avez été capable de regarder ce live-là, c'est clair, vous avez l'espace d'une heure pour faire votre semaine de Switch. Donc, c'est toujours de venir le rentrer dans votre agenda. Et Switch, il y a des applique, des, 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 il y a de la méditation que c'est à appliquer. La personne qui a marché dans le semaine Switch, quand vous allez revenir dans le reset, vous allez avoir une longueur d'avance sur bien des gens. Mais ce n'est pas grave. Vous allez juste mieux comprendre et mieux intégrer. Ça va être comme un peu si vous étiez à votre deuxième reset. Euh, Peut-on régler en plusieurs fois? Oui, Estelle, si tu cliques sur le lien de reset, peut-être que Nathalie pourrait le mettre. Ça elle a peut-être déjà été là. ireset.ca. E si tu cliques sur le lien de reset, tu viens pour t'inscrire. Tu peux t'inscrire en 1, en 3 ou en 6 versements dans le reset sans aucun problème. À quel point? Ah, celle-là, je l'ai répondu. D'accord? Je reviens ici. Euh, « Nat, tu m'avais-tu prévu d'autres, toi? Euh, ok, parfait. Je vais prendre les, longues les autres questions, Nathalie. Je regarde ici, j'ai d'autres questions. Euh, c'est fait, je veux passer par PayPal, ils prennent des frais sup et, et je retenterai avec la banque. C'est clair, c'est normal, la gang. Que ce soit votre PayPal, que ce soit votre carte de crédit, que ce soit moi qui, qui, qui finance pendant six mois, c'est normal qu'il y ait des frais. Vous devez comprendre ça. C'est normal. Moi, ma banque, elle me prêtait de l'argent pour que j'achète ma maison. Elle me charge des frais. C'est son travail. PayPal gagne leur vie en avançant des sous aux gens. C'est normal qu'il y ait des frais. Donc, si vous êtes en mesure de payer en un seul versement, c'est la meilleure des choses. Mais si vous le payez et vous avez un frais de 50 dollars, il y a un frais, c'est normal parce que l'autre va gagner, que ce soit PayPal, que ce soit votre banque, votre carte de crédit. C'est normal qu'il y ait des frais. Ils gagnent leur vie avec la gestion du risque. Peut-être que la personne, elle va faire faillite. Peut-être que la personne ne la payera jamais. C'est juste normal. J'achète une voiture, j'ai des frais dans la location. C'est normal d'avoir des frais au travers de tout ça. Quand on comprend l'abondance, la gang, là, on va arrêter de juger et de critiquer toutes les autres. Ah, mais non, non. Non, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Est-ce que, à cause que PayPal te permet de le payer sur trois mois, il te charge des frais. Est-ce que tu le critiques ou est-ce que tu te sens privilégié de pouvoir t'inscrire, mais avoir payé 50 de frais supplémentaires? C'est une question de perception, encore une fois. Mais dans le meilleur des mondes, si on est capable en inversement, tu le fais en inversement. C'est clair. est -ce qu'on veut arriver à un point où est-ce qu'on ne paye pas d'intérêt pour rien partout? Euh, euh, dadadada, je descends, je descends, je descends, je descends. Moi, Valérie, voir qu ce que tu dis. Moi, j'ai refait « reset ». Moi, j'ai fait et refait Reset afin de mieux intégrer les enseignements car j'ai changé et le coach aussi. Euh, je vois le reste ici. Et plus j'écoute, plus je comprends et mieux j'intègre. Effectivement, plus tu écoutes, plus tu comprends à des niveaux de subtilité. Donc, des fois, le message que je partage, au début, tu fais comme « Oh my God, il me fait vibrer ». Puis là, je passe à une autre vidéo, puis à une autre vidéo. Puis là, tu sais, mais tu n'as pas eu le temps de tout intégrer. La beauté avec un programme en ligne, tu peux reculer. Et si tu me réécoutes et réécoutes et réécoutes, tu viens toujours saisir des niveaux de profondeur différents tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, merci Nathalie d'avoir partagé la musique. Euh, toujours présent. Merci François. Ça fait trois jours que je l'écoute. Effectivement, c'est un changement indiscutable. La méditation de la totale, c'est la meilleure médication que vous pouvez prendre. On a des changements tellement hallucinants. C'est celles qui vont faire switch, qui vont se rendre au bout du processus. Vous allez voir, c'est la meilleure médication qu'il y a là. Quelqu'un qui a besoin de gérer son stress, son anxiété, ses crises de panique, sa dualité, sa dépression, switch, c'est la meilleure chose que tu peux avoir pour revenir. Reset, c'est pour réinventer. réarchitecturer ta vie. Oh là là, probablement j'ai quelques dizaines de personnes qui viennent partir à rire chez eux. J'ai bien dit, réarchitecturer ta vie. Tout ça là, reset, ça sert à ça, d'accord? Euh, J'ai fini Switch, oui, Denis, une des, tu penses que c'est une des premières à avoir fini Switch, là? parce que tu es très, très, très engagé. Donc, Denis, et au début, on l'avait libéré Switch 8 modules d'une chat. Donc là, on l'a rendu une, un par semaine. Euh, J'ai fini Switch, c'est extraordinaire pour se maîtriser, effectivement. Combien serons-nous dans le reset? Ah, ça sera une surprise. C'est pareil comme quand tu t'en vas à l'école et tu rentres à l'école. Ben, tu vas aller à l'école quand même, même s'ils sont 300, et tu vas aller à l'école quand même, même s'ils sont 700. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous garantis que vous allez avoir un soutien énorme. Et mon intention, c'est de développer une armée en positive, là, en conscience, de gens qui veulent s'éveiller, de gens qui veulent co-créer. Et il y a des alliances là-dedans les... qui vont être faites entre vous. Il y a des amitiés qui vont s'être faites. Donc, le but à moi, ce n'est pas de contrôler, ce n'est pas de limiter, ce n'est pas de forcer l'explosion. Le but, mon but à moi, c'est de laisser la vie faire son œuvre. Il en, en rentre. Génial! Voici ce qui se passe. Il va falloir que je m'ajuste. Il va falloir que je m'entoure. Il va falloir que. Pour que ça fonctionne, tout ça. Donc, ce que j'enseigne, je l'applique. Je n'ai pas besoin. j'ai pas envie de contrôler. J'ai envie de let it go. Just let it go, ce qui est là. Laissez-vous impressionner. Vous allez voir. Mais dans, les premières, dans la première capsule, quand je vais vous accueillir sur le reset, je vais vous en partager. Certains vont tomber en addiction rapidement. Certains vont tomber en aversion rapidement. Et moi, ce que je fais, je vous enseigne par expérience directe. Vous allez voir, ma façon d'enseigner, c'est avec ce qu'on vit au quotidien. Donc, je retouche ça. C'est clair que dans le processus de reset, je vais vous faire réagir positivement et je vais vous mettre face à vos comportements négatifs, à vos schémas négatifs, à vos blessures dans la vie. C'est clair. Mais c'est grâce à ça qu'on va apprendre à, à se déconditionner, à se purifier, puis à se réinventer. Chaque capsule, plusieurs fois par semaine, refait tout depuis et reset 6 pour aller encore plus loin. Good. Bravo Cé euh, Cécile, c'est exactement ça. Répétition, répétition, répétition. Marie-Christine, tu as fini Switch toi aussi. Good, génial. C'est clair que tu vas adorer. Moi, pour moi, c'est mon programme préféré. Switch, à ce jour, c'est mon programme préféré. C'est clair que Reset, je vais tout donner la gomme pour que, ça soit, euh, pour, pour que ça soit ce soit le, le programme le plus puissant qui soit, parce que c'est comme. C'est sur 16 semaines. C'est en profondeur. C'est de la libération. Switch c'est pas de libération. Switch est de la maîtrise. Euh, euh, si chaque année il y a un nouveau reset, comment ça fonctionne l'accès à vie? OK. Bonne question, Nathalie. Donc, euh, oh, j'adore la photo. Euh, si chaque année il y a un nouveau reset, donc euh, une nouvelle cohorte de reset, donc c'est pareil comme il y a des téléphones. Hein? Ça, c'est l'iPhone 10, mais avant ça, il y a eu l'iPhone 9, puis euh, 6, puis 7, puis. Ben, si tu as acheté l'iPhone 6, tu as accès à vie. Mais là, ils vont sortir l'iPhone 10. Mais je ne redonne pas mon, mon iPhone 10. J'achète l'iPhone 10 si je le veux, l'iPhone 10. La différence entre moi et Apple, c'est que moi, l'iPhone 10, la, 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 la nouvelle version, c'était de jeter déjà été dans le reset, tu l'as à 50 L'ancien avis encore. Donc, tu as accès à vie à ton programme une fois que le 16 semaines est terminé. Est pendant 16 semaines à tous les dimanches, tu reçois. Et la dernière journée, quand tu as terminé, après ça, tu ne reçois plus de nouvelles capsules, mais tu as accès à vie au programme. That's it. Et l'année d'après, je sors un nouveau programme. Tu vas me revoir en lancement comme je suis en train de faire. La seule chose, c'est que l'année prochaine, je choisis de faire le lancement plus court en sept jours. Je n'aime pas beaucoup faire hein, parce que je suis aussi en vente au travers de tout ça. Je fais beaucoup de publicité, je fais beaucoup de courriels. C'est quelque chose qui, hein, qui me dérange un petit peu, mais j'ai besoin de me libérer au travers de tout ça. Il faut que je le fasse, mais l'année prochaine, je vais le faire plus court un petit peu. Hein? Un lancement d'une semaine, pour ça, c'est terminé. Donc, ça va revenir l'année prochaine. Puis si tu as tellement vibré à Reset 6, peut-être que tu vas dire j'ai envie de faire Reset 7, 7 Puis peut-être que tu vas dire, mais non, je ne suis pas là présentement, je suis rendu ailleurs. Ai... Et François nous a présenté quelqu'un d'autre, puis je suis rendu dans l'univers de David de François, de Martin Latulip, de Arnaud Rioux, de peu importe. C'est pas grave. Le but, c'est que tu marches le chemin de ta reconnexion. Euh, Est-ce encore dispo, Switch, Audrey? Oui, bien sûr, tu es encore dispo. Audrey, Switch, je vais te mettre le lien. Juste ici, si vous avez envie d'aller voir Switch. Euh, ta -ta 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 -ta. Switch, où -tu? ça ici. Donc, je te mets le lien ici, si vous voulez aller voir Switch. Si vous avez les moyens entre les deux, c'est clair que je vous suggère. Beaucoup plus reset. Parce que c'est plus en profondeur, c'est plus en détail, c'est plus de la libération. Puis la grande partie de nos souffrances, c'est dû à un manque de connaissance de soi, et c'est dû à l'ignorance de nos blessures, de nos souffrances. Puis on ne sait pas comment faire pour les libérer, on ne sait pas comment faire pour s'aimer, donc on manifeste pas une nouvelle version de nous-mêmes. Reset, c'est de la profondeur, c'est une transformation. Switch, c'est un entraînement de l'esprit, c'est de la maîtrise de soi. Donc, switch se fait très bien après reset aussi. Mais il se fait très bien maintenant aussi si tu as envie. Et peut-être que j'ai des anciens de Reset. Puis que vous, vous dites, mais moi, j'ai du contenu de Reset génial, mais Switch plus, ça, ça pourrait être un, une avenue intéressante. Euh, quelle est la date limite pour les inscriptions de Reset? Today! Today! Moi, je ferme, hein? je ferme. Donc aujourd'hui à minuit, c'est la dernière journée. C'est pour ça que je fais un live comme ça. C'est la dernière journée pour s'inscrire à Reset. Switch, il n'y a pas de date. Switch, c'est un programme qui marche à l'année constamment. Switch est un programme que je ne rechange pas les capsules. Peut-être que l'année passée, l'année prochaine, je vais dire je vais changer, mais euh, je ne change pas les capsules. Quelle est la date limite donc ce soir? Euh, je reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce que ce soir, il y aura encore l'offre avec Switch Offer? Non. Non, 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 non. Il y a eu l'offre avec Switch Offert, je pense, pendant les trois jours du début du lancement. Tous ceux et celles qui faisaient un acte de foi sur leur vérité, je leur donnais en bonus. Switch. Après ça, rendu au jeudi, j'ai fermé. Donc, ceux et celles qui avaient besoin de le sentir et tout ça, il n'y avait plus de switch. Il n'y avait plus de switch. Je faisais un acte de foi, moi, pour stimuler ceux et celles qui croyaient. La vie récompense ceux et celles qui suivent leur foi. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Si tu l'as pas suivi, c'est OK. Peut-être qu'un autre jour que tu vas dire, bien, je vais le suivre. C'est tout le temps ça. La tournée avec Jérémy Demé, louer une salle à Paris avec 700 personnes, partir une date de conférence où est-ce que je réserve des salles, puis j'ai peur, il va savoir du monde. Acte de foi. La vie récompense toujours ceux et celles qui ont des acteurs de foi. Donc, si tu réserves le reset maintenant, non, tu pas le bonus des premiers inscrits. Tu as le, le reset total à 777, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup plus de valeur que 777. Bonjour François, pour combien? C'est pour, pour bien comprendre Switch, c'est après Reset. Switch, ça peut être avant Reset présentement et ça peut être après Reset. Switch, c'est un programme qui est accessible maintenant. Si c'est pour toi, tu as envie d'apprendre à calmer ton esprit, tu as envie d'apprendre à méditer, tu as envie de développer un schéma pour arrêter de réagir et de mordre aux pensées qui hantent ton esprit, à mordre à tes peurs, à, à apprendre à libérer ton anxiété, ton angoisse, ton insécurité profonde, à être focus sur ce que tu veux. Switch, c'est pour ça qu'il a été créé. D'accord? Donc, il est accessible toute l'année. Euh, David, il l'a fait aussi. Switch, c'est top. C'est vraiment top. C'est sûr. Donc, je reviens ici. Euh, question, reset, Nat, à me partager plusieurs questions. Est-ce que ça se fait en ligne? Oui, ça se fait en ligne. Tout se fait à partir de la maison? Oui. Combien? Euh, euh, pourquoi ils font plusieurs resets? Je l'ai répondu tantôt. Combien y a-t-il un maximum d'inscrits? Ah, ça, ça sera une surprise. Moi, les portes sont encore ouvertes. Le jour où je vais décider, je vais dire OK, on ferme les portes, on ferme les portes. De toute façon, on va se rendre ce soir et on prend tout ce qui est là. Est-ce que je peux faire. Je, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la plus grosse cohorte. Je pense qu'on est autour de 15 000, 20 000. Mais non, mais non, mais non. Euh, Est-ce que je peux faire Reset, écouter Reset avec mes deux adolescents? Très bonne question. Non! Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. J'ai Carole. Dans mon groupe Ubuntu, qui a fait reset, Carole, son garçon, elle a fait toutes les psychologues, les psychiatres, Elle, elle s'est promenée un petit peu partout en France pour avoir quelqu'un qui aide son garçon. Pas trouvait pas Carole, c'est une enseignante. Puis son garçon, Hugo, je me trompe pas, il a 17-18 ans et, et il vivait certaines choses en fait, qui était perdu, puis il se reconnaissait plus, puis tout ça. Puis c'est difficile pour maman, c'est difficile pour Hugo. Puis euh, elle a sorti du système, euh, du système euh, de l'école et tout. Et Hugo s'est mis à faire. Les enseignements de, de la pleine conscience, de Reset, de Ubuntu, transforme sa vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de le voir, mais dans notre communauté, Hugo a fait une vidéo. Il a composé une chanson. Hugo va être sur la scène du bootcamp à Paris prochainement. Il a transformé littéralement sa vie. S'il te plaît, si vos enfants ont envie, laissez-les -la écouter. C'est sûr. Puis en plus, je suis un peu con quand j'enseigne. Puis ils vont faire comme. Je l'aime. Je ne sais pas, je l'ai-tu enlevé? Je pense que je l'ai enlevé le message. Si je n'ai pas enlevé, je vous le relis. Ah, je l'ai tassé. quand je n'aurais pas dû l'enlever. Euh, Mélanie, regardez bien ça. Regardez. Okay? Est-ce que les enfants devraient le faire? Je, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je vous le relis. J'ai reçu un message de Mélanie, une des étudiantes qui a fait Reset et qui a fait Focus avec moi, qui a fait plusieurs programmes avec moi. Allô François, je vais t'écrire ça quand l'événement est arrivé, mais je n'ai pas fait et après j'ai laissé tomber. Mais de voir le témoignage du jeune Hugo avec sa mère m'a redonné le goût de te le raconter. À peu près un mois après que mes abonnements et toi avec toi soient terminés, donc elle, elle a terminé ses abonnements de, avec moi. Euh, Annaëve m'a dit Maman, on dirait que je te, vois moins écouter, euh, des, euh, je, je te vois moins écouter des vidéos de François. Je lui ai donc expliqué que mes abonnements étaient terminés, que papa et moi, on avait beaucoup de dépenses et, et qui, qui s'en venaient et qu'on aurait, qu'on avait dû faire le choix d'arrêter pour le moment. Ce qui n'était pas grave parce qu'on avait déjà beaucoup d'outils et qu'on allait en profiter pour se pratiquer à les mettre euh, en pratique. Puis, elle m'a regardé avec les yeux du désespoir et elle m'a dit, mais maman, je ne veux pas que tu t'arrêtes que tu arrêtes de l'écouter. Moi, je vais tout garder mon argent de crunchy. Crunchy, c'est son chien qu'elle sort. Elle est rémunérée pour sortir le chien. Je vais garder tout mon argent de crunchy et je vais te le payer. Imaginez, elle, elle, elle me dit trop cute, l'impact collatéral positif chez nos enfants est bien réel, même à seulement huit ans. C'est, 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 c'est ça, en fait. Donc, les enfants sont à côté, maman, à l'intègre, papa, il, des fois, il ne pas entendre, papa, il ne peut pas, pas décider d'être là, puis finalement, l'homme, il l'écoute avec sa femme. Ça change une vie, vous allez voir vous allez voir ce qui se passe. Donc, euh, oui, tu le fais avec ton enfant, si tes enfants sont là, c'est clair, 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 clair. Euh, j'ai fait une commotion cérébrale et depuis, des troubles de mémoire et de difficultés euh, de concentration. Est-ce que j'ai des chances de réussir? Un pas à la fois. Pas les, pas les, pas les, pas les, pas les un pas à la fois, mais la réponse, c'est que c'est oui. Et c'est pour ça qu'il y a des entraînements de l'esprit. C'est pour ça que des pratiques de méditation, des pratiques de respiration pour ramener l'harmonie dans le plan, dans le système. Par contre, tu n'embarques pas dans le reset avec une course. Tu dois apprendre à écouter le besoin du moment. Donc, je vais vous aider à vous comprendre au travers de tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question aussi hier. Je suis une psychologue. Est-ce que c'est complémentaire? C'est tellement complémentaire. Tu le dis à ta psy. Je commence un programme qui s'appelle Reset avec François Lemay. C'est un pas à la fois puis tout ça. Ta psy est là pour t'accompagner, pour te donner un coup de pouce. Si tu es accompagné en individuel puis en plus tu suis le programme, c'est clair qu'il va y avoir une, une, une transformation. Fais comprendre une chose. Ta psy et moi, on n'est pas en compétition. C'est co-création. Co co Les deux, on veut ton bien et c'est une rééducation. Ta psy n'est pas là pour te sauver et moi, je ne suis pas là pour te sauver. D'accord? Euh, euh, je ne suis pas sur Facebook. Est-ce que je peux faire reset quand même? Est-ce que je vais m'ouvrir un compte Facebook? Donc, si tu n'es pas sur Facebook, c'est pas grave. Pas grave, tu n'es pas obligé de venir sur le groupe Facebook. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bonus. Donc, tu vas recevoir quand même les accès du portail euh, dans, tes, euh, dans tes courriels. Tu vas pouvoir venir avec un mot de passe que je vais, que je vais vous montrer dans, dans, dans quelques instants. Si je ne peux pas assister au webinaire, vais-je pouvoir le revoir? Si tu n'es pas là lors des webinaires, tu vas pouvoir le revoir en reprise. Il n'y a pas de problème. Si tu t'en vas en voyage pendant trois semaines, ce n'est pas grave. Quand tu vas revenir, tu vas rentrer, tu vas venir te loguer dans ton portail. Tant qu'à ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc ton portail, je m'en viens ici et je vous partage écran ici. Ok. Est-ce que vous voyez là Ça marche pas ça. Ici. Ok parce que je suis en solo. Bon. Ok j'en enlève un. Ok donc vous allez voir vous allez avoir un portail comme ça qui s'appelle l'Académie Kaizen. OK? Sur l'espace Kaizen. Donc, quand vous allez vous loguer, je vais juste enlever ma caméra. Quand vous allez vous loguer, là, je reviens ici, vous allez avoir votre mot de passe, souvenir de moi. Vous allez rentrer. Hein, quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir votre mot de passe par courriel après votre inscription. Et là, vous allez avoir vos accès pour rentrer. Quand vous allez rentrer sur, ça s'appelle l'espace Kaizen, hein, c'est mon académie de pleine conscience Kaizen, vous allez voir les formations que vous avez avec moi. Vous, ça va s'appeler Reset Cohort 6. Okay? Parce que là, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas d'autres formations, mais il y en a plusieurs qui ont d'autres formations. Vous, ça va être au reset courte 6. Là, on a courte 5. Vous allez cliquer sur accéder, tout simplement. Et là, vous allez voir un beau bonhomme qui ressemble beaucoup à Brad Pitt. C'est moi. Ne faites pas le saut, c'est moi. Ok Et euh, là, je suis en train de sourire. Et euh, là, vous allez voir différentes semaines qui sont là en cours de processus. Donc, à la semaine 1, vous allez avoir une semaine accès comme ça. OK? Avec différents vidéos qui sont là. Et là, les autres qui vont être en parle, ils ne seront pas accessibles présentement. Et là, à chaque semaine, comme ça, c'est une semaine de webinaire. OK? Je vais en prendre une que ce n'est pas un webinaire. Ça, ça doit être un webinaire aussi. Non, ça, ce n'est pas un webinaire. Donc, exemple, la semaine 9. Vous allez arriver, vous allez avoir vous avez plusieurs modules dans, dans la semaine. Donc, le dimanche, vous allez recevoir votre module. Vous allez ouvrir le portail. Et sur le portail, vous allez avoir la vidéo comme ça. Donc, vous allez cliquer sur la vidéo. Et vous avez, ça, vous pouvez l'écouter. Je vais juste fermer le son. Ça ne me tente pas de m'entendre. Vous allez l'écouter sur votre téléphone, sur votre iPad, sur votre ordinateur. C'est accessible partout, euh, partout où est-ce que vous êtes dans le monde, si vous avez Internet, d'accord? Donc, là, vous voyez qu'il y, y a un déroulement, où est-ce que vous êtes rendu dans la vidéo, au travers de tout ça, OK? Et quand vous allez avoir terminé, le système va marquer « Compléter ». Donc, vous allez être en mesure de voir qu'est-ce que vous avez complété comme, for comme euh, formation, vous êtes rendu où dans votre cheminement. Ici, vous avez l'audio. Donc, quand vous allez cliquer ici, comme ça, bon. Je vais couper ça. Vous, vous pouvez télécharger l'audio. C'est ici plutôt. Vous pouvez télécharger l'audio de... Euh, donc, quand vous cliquez ici, vous téléchargez l'audio. Vous l'avez sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'Internet pour pouvoir écouter les capsules. Donc, souvent, les gens vont les réécouter dans le train. Euh, dans euh, l'avion, dans, euh, euh, dans leur voiture, dans leur sous-marin, dans le. Vous comprenez? Ils vont l'écouter partout où ils sont dans leur moyens de transport. En dessous ici, vous allez avoir la, la capsule précédente et la capsule suivante. Donc, ça, c'est la capsule précédente, c'est un café coaching. Et ça, c'est la capsule suivante dans ce module-là. Vous avez des commentaires qui sont écrits ici. Regardez, tout le monde est répondu dans les commentaires. Donc, vous avez des commentaires ici. Vous voyez, Happy Team de François Lemay. Cette fois-ci, c'est Nathalie Côté qui avait répondu. Okay? Donc, ça, c'est la vidéo 1 de la semaine 9. Donc, maintenant qu'on fait la vidéo, on s'en va à la vidéo suivante. Donc, ça, c'est quoi? C'est le plus grand virus de l'esprit humain. OK, là, j'explique, c'est quoi? J'explique euh, plus en détail. Là, si je m'en viens ici, mon Internet cherche un peu. Donc, des fois, j je ferme encore le son ici. On est rendu ailleurs dans les enseignements. Donc, là, ici, vous avez encore une fois... Le, le, le MP3 est téléchargé, mais vous avez aussi le document de cours. Vous cliquez sur le document de cours avec votre téléphone, avec votre iPad, avec votre ordinateur. Le document de cours se télécharge dans votre ordinateur. Et ça, c'est le document de cours de la semaine 9. Donc, quand vous allez arriver, Switch, ça donne qui s'appelle Switch, mais ce n'est pas le programme Switch. Switch, break the pattern. Et là, mon équipe a vulgarisé, a simplifié, a mis en page. Donc, c'est n'est pas moi qui ai fait le document de cours, ce n'est pas ma force, je suis entouré de génies autour de moi qui viennent vous aider à avoir une meilleure compréhension, qui viennent mettre en page les enseignements que je partage, d'accord? Donc, c'est en page. À chaque module, vous avez en page les enseignements que j'ai partagés. Donc, c'est plein de contenu que vous allez pouvoir prendre pour pouvoir enseigner à d'autres personnes, pour pouvoir mieux vous connaître, OK? Là, même ça, c'est un mandala, je vais vous faire un exercice avec ça. Bref, il y a des pages de réflexion. Donc, à chaque module, vous avez, si je reviens ici, vous avez euh, des choses à télécharger, un document à télécharger. Donc, vous avez aussi euh, des blocs de méditation. Y avait il y avait-tu un bloc de méditation dans celle-là, je pensais après? Oui, juste ici. Donc, là, il y a une méditation aussi qui dure 20, probablement 20 minutes. Je dois parler quelques minutes. Et vous pouvez écouter la méditation même pendant que je chante. Normalement, vous ne me voyez pas hein, dans le meilleur des mondes, non? Euh, mais vous pouvez télécharger l'audio puis avoir un lot de méditation à écouter en cours de route, d'accord Donc, euh, j'arrête mon partage ici et je reviens ici. Donc, c'est relativement simple les gens. Puis en plus, on a une application sur le téléphone pour être capable de le voir d'une autre façon sur le téléphone. Je reviens ici. <tous> Donc, quand vous. Là, on s'entend que c'est mes programmes à moi. Hein? Donc, quand vous. Il y a une application que vous faites ça comme ça. Donc, si je reprends ça ici, j'ai cliqué sur le Reset 7. Et là, c'est la courte 2. OK? C'était la courte 2. Et là, je veux juste cliquer ici pour peut-être faire l'équivalent de la courte 5. Et là, je pense qu'on était quoi, module 13 tout à l'heure? Bon, mais. mais Maîtriser votre esprit avec les 7 fantastiques exemples. Donc là, vous avez la vidéo. Boom! Et là, ça part comme ça. Et là, vous tournez ça comme ça. Bingo. Et là, vous écoutez tout simplement avec votre téléphone. Et quand vous avez terminé, vous retournez le téléphone d'abord et vous descendez en bas. Et là, vous le laissez, vous pouvez télécharger les documents. Et vous laissez votre commentaire dans le bas. Et moi et mon équipe, parce que j'ai une équipe, parce que là, je ne peux pas tout le temps faire du Facebook ou de la réponse aux commentaires. Moi et mon équipe, on est là pour vous supporter, mais vous n'êtes pas tout seul. On est vraiment un super écosystème pour pouvoir vous aider. D'accord? Là, je m'entends méditer. Probablement, l'autre page est ouverte. Oui, c'est ça, que je en train de parler. OK? Euh, Est-ce que j'ai eu euh, d'autres choses, François? Te souviens-tu aussi de la petite pinotte qui boit dans la bouteille d'eau et qui répète? Ah Oui, exactement. Tu te souviens-tu de la petite pinotte dans la bouteille d'eau? La fille à Evelyne, donc à cause qu'elle suit les enseignements, la fille à Evelyne qui, qui a fait un focus avec moi, qui a fait le reset, qui est dans Ubuntu, qui a réservé hier dans Ubuntu, Si Tu regardes, je suis content de savoir que tu es dans notre famille maintenant, d'Ubuntu. Alors je me je sais pas quel âge que là la cocotte elle a doit huit ans, elle avait la bouteille d'eau, puis elle a fait une vidéo a dit moi je m'aime et je suis fière de moi. Et la première fois qu'elle m'a vu en vrai, elle me regardait là, elle a un sourire plein d'énergie. Mais c'est tellement fou le maman, papa, quand vous partagez ça aux enfants. Imaginez si on avait eu ça quand on était jeunes, c'est hallucinant tout ce ce qui peut se passer. Euh, ils doivent demeurer dans la même maison. Oui, en fait, tu dis que les enfants peuvent suivre avec nous. Effectivement, ils doivent demeurer dans la même maison. En fait, c est, c est, on partage les accès avec ceux et celles qui sont sous notre toit. Si tu as des enfants, si tu des grands, là. eux, là, ils veulent avoir leurs accès. Si la personne qui a, qu a, qu a, qu a fait Reset, si vraiment elle aime, là, elle veut être capable de commenter pour que je puisse y répondre. Elle veut être capable d'être sur le live avec nous, d'être dans la communauté. Est-ce dans la, dans la qu'il faut comprendre? c'est Pour pouvoir aller plus loin après ça, dans, dans une autre aventure, peut-être retraite ou, euh, ou ubuntu, il faut avoir fait Reset. Donc, il faut avoir été membre de Reset et de la communauté pour pouvoir, faire, euh, pour pouvoir aller plus loin après. OK? Euh, si vous le voulez, mais on n'est pas obligé. Je viens d'essayer de m'inscrire, il y a eu un message d'erreur. Ah ouais, go génial. Nathalie Hébert va t'aider probablement. Elle est là pour t'aider, euh, Myriam. Ça arrive des erreurs, ça arrive. On a eu... C'est ça, l'Internet, de temps en temps, on a des petits pépins, puis ça fait partie de la game. J'ai une équipe qui est là qui travaille comme des petites abeilles, hein, des apiculteurs, apicim, apiculteurs, qui travaillent comme des abeilles pour s'assurer que tout le monde soit répondu, qu'on qu réponde à vos bugs, qu'on vous aide dans l'inscription. Et à partir de demain, on va commencer à vous accueillir. À partir de demain, vous ne me verrez plus parler de Wisset. là. Sur ma page Facebook, vous n'aurez plus parler de Wisset. C'est terminé. ok Oui, je l'ai sur mon iPhone Kajabi, c'est génial. Effectivement, c'est comme ça, ça s'appelle. Comment s'appelle ton appli? Si vous êtes dans le reset, je vais vous vous allez recevoir le lien pour être capable de le télécharger. faut le télécharger. Euh, je pourrais se recevoir, je pourrais recevoir les deux premières semaines avant. Je quitte pour non impossible, impossible de recevoir les deux premières semaines avant. Donc euh, tu vas les recevoir quand tu vas revenir. Ou euh, je quitte pour deux semaines et je suis inquiète de traîner de la pâte. Mais si tu quittes tu vas avoir Internet. Si tu t'en vas au Japon, il y a de l'Internet là-bas. Si tu t'en vas, peu importe où tu t'en vas, il y a de l'Internet très, très rare des endroits qui n'ont pas Internet maintenant. Donc, tu vas avoir accès, tu vas le recevoir. Euh, J'ai refait avec mon CB impossible, ok, je ne sais pas. Donc, s'il y a quelque chose, Nathalie Hébert, hein, je, vais, je vais le mettre dans les commentaires parce que souvent, quand c'est mon assistante, vu que ce n'est pas ma page, le message passe euh, des fois aussi dans le beurre. Mais euh, contactez. Euh, besoin d'aide. Info, en commercial, appyproduction.ca. Boom! OK? Puis ça, je peux-tu l'ancrer? Nat, côté, il faudrait enlever l'épinglage de la musique parce que ce n'est pas si important pour l'instant. Et plutôt épingler le, de le dernier que je viens de mettre besoin d'aide, s'il te plaît. OK? Euh, ici, comment ça s'appelle ton appli? OK? Essayer. Besoin d'aide. OK? Génial on a tout écrit ça. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-il que est possible de payer en plusieurs versements? Un, trois, cinq versements. C'est quelque chose, vous écrivez à mon, écri à mon, à mon équipe. quelque chose où je vous écrivais à mon équipe. On est tout là pour à, à, à être en train de vous répondre. On est dans un blitz. Comprenez là. Comprenez ce qui se passe. C'est Comprenez... une école qu'on a. C'est l'équivalent. Rappelez-vous quand vous étiez au, au secondaire, au primaire, l'école, la rentrée à l'école, comment ça devait se passer? Nous, on a une école. Il y a une école de gens qui s'en vient se faire former par moi, une école plus grande que ma fille, là, plus grande que où mes enfants vont. Il y a une école qui va arriver. On a besoin de canaliser. On a besoin d'aide. On a besoin de, hein, de toute cette, cette, cette équipe-là. Donc, un pas à la fois. Donc, si vous avez des, des besoins d'aide, vous écrivez à Info à, à Pi. Moi et mon équipe, on est là pour vous répondre dans la journée. Et Aujourd'hui, c'est terminé parce qu'après ça, on se concentre hein, à, 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 à organiser euh, notre école, en fait. Est-ce le même prix si on paye en différé? Non, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des frais d'attaché à tout ça, que ce soit votre carte de crédit, Paypal ou que ce soit que nous, on finance sur l'espace le, de six mois. Il y a un frais attaché, il y a un risque qui est là, il y a une gestion, mon équipe qui est là, qui, qui a payé, qui n'a qui pas payé. Donc, il y a des frais. Si je ne me trompe pas, c'est autour de 50 je me rappelle plus c'est quoi les frais. Euh, si on ne comprend pas certaines choses, va-t-il avoir de l'aide? C'est clair. Je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est répondu. Moi, quand je vois quelque chose qui n'est pas bien euh, intégré puis qui revient régulièrement, ça veut dire que ma façon d'enseigner a besoin d'être bonifiée. Donc, je vais revenir dans les webinaires, bonifié pour que tout le monde puisse intégrer avant de passer aux prochaines étapes. Avant de passer aux prochaines étapes. D'accord? Parce que si on prend le, la, le module euh, ben, c'est 12 semaines, 12, 11, 10, 9, 8, on commençait avec ça, la majorité des gens ne comprendraient pas. On a besoin de venir construire avant. Euh, puis sur mon téléphone oui, c'est tu garanti que je vais me transformer OK, regardez bien ma réponse. C'est tu garanti que je vais me transformer Oui. Mais en fait, si moi je te dis que c'est garanti, moi je cherche à contrôler. Tu comprends Si je dis que c'est garanti tu vas te transformer, je cherche à contrôler. Est-ce que je suis convaincu que tu vas te transformer Oui, si tu appliques ce que j'enseigne, c'est clair tu vas te transformer. C'est clair, clair, clair tu vas te transformer. Pourquoi Parce que je suis bon Non, parce que c'est cause à effet. C'est cause et effet. cest tu garanti que si je mets, exemple, dans mon compte de banque, un dollar par semaine, cest tu garanti qu'au bout de 10 semaines, je vais avoir 10 dollars? Oui, c'est la même chose. cest tu garanti que si je mets en application ce que tu enseignes, François, pas juste écouter tes vidéos, si je mets en application ce que tu enseignes, je fais tes exercices et tu t'assois, tu, tu, tu fais les techniques de, 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 que je t'enseigne, est-ce que c'est -ce est garanti que je vais te transformer? C'est sûr que oui. Pourquoi? C'est la vie qui va te transformer. C'est pas moi qui va te transformer, c'est la vie qui va te transformer. Par contre, si tu n'as pas de transformation, si tu n'as pas de résultat, ben hey, tu écris à mon équipe et on va te rembourser. C'est tout simple que ça. c'est ça que tu vas en avoir. Si tu fais ce que tu as à faire, c'est ça que tu vas en avoir. Puis je fais d'autres programmes, puis je faire d'autres programmes en même temps ou ce sera trop. OK. Souvent, tout est complémentaire à, 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 à Reset. D'accord? Vous pouvez étudier les neurosciences présentement et faire Reset. Vous pouvez faire une formation en yoga et faire Reset. Vous pouvez euh, faire un parcours de coach et faire Reset. Vous pouvez. Euh, je ne sais pas apprendre le web marketing et faire reset. Ce que vous devez juste saisir, la gang. Et c'est pas parce que mes affaires sont meilleures. C'est juste que le reset est plus important que tout le reste. Parce que c'est, on vient jouer en dessous, dans les méta-patterns, dans l'amour de soi, dans les blessures, dans la compréhension de l'être humain, de l'être divin que nous sommes, dans notre interrelation avec les autres. Les autres, c'est nos parents, nos clients. Hein? Nos employés, c'est tout. Donc, c'est ça qui est en priorité. Si tu as déjà de la difficulté à marcher ton terrain pour comprendre la neuroscience ou ton cours de yoga ou ton cours en marketing ou en vente, tu n'auras pas le temps de faire un reset en plus, tu comprends? C'est juste ça que je veux dire. C'est complémentaire. Mais si tu as de l'espace dans ton agenda, tu as envie de t'impliquer, en, de, 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 de t'engager, tu as la ferme intention de t'engager, oui, il n'y a pas de problème. Si tu as l'espace maintenant, Fais un choix conscient. Fais un choix conscient. Rentre, reset en priorité. Je te jure que toute ta compréhension par rapport à la neuroscience, à ton yoga, à, à ton marketing, à, à ta vente, à ton entreprise, à ta gestion de personnel, à ta gestion du temps, tout ça va se transformer. Encore plus, ça tête un amplificateur à cause que tu es venu changer la source. Donc oui, c'est possible. Sois intelligent et conscient dans la gestion de ton temps et non carburé à l'addiction d'en avoir un autre et un autre et un autre et un autre. On euh, voit qu'il y a plusieurs resets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quoi la différence? En fait, on peut pas acheter les anciens resets. Le seul reset qu'on peut acheter, c'est la nouvelle version cohort 6, un peu comme le nouveau téléphone qu'on peut acheter. On peut même plus acheter la, la reset 5 ou le reset 4. Il y a juste un qui existe. Puis c'est pas, t'as pas besoin d'avoir fait les autres avant. C'est Voici la nouvelle aventure reset qui s'appelle la reset. Je pourrais même les appeler reset 2020. Je pense que ça serait même plus intelligent. Surtout que j'en fais un par année maintenant, reset 2020. Peu importe. Tout change. <laughs> Ça, vous allez voir ça avec moi, la gang. Tout change. Euh, si je n'aime pas, est-ce que tu me rembourses? Ouais, je te rembourse. Si tu n'aimes pas ça, je te rembourse. Quelles sont les modalités de paiement? On peut payer par chèque, mandat de poste, visa, go, génial. Donc, s'il y en a, écoute, je comprends. J'ai déjà fait faillite, j'ai déjà pas eu de carte de crédit, j'ai déjà eu des problèmes financiers, tout ça. Ça arrive qu'on n'ait pas de, 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 de moyens de paiement. Si ça ne fonctionne pas, tu écris à mon assistante. Je peux-tu faire, peux faire un mandat poste? Je peux-tu faire des chèques? Tu écris mon assistant puis on prend un rangement. C'est possible. On est là pour vous aider la gang. D'accord? Quels sont les cartes de crédit acceptées? À peu près tout ce que tu peux imaginer, je pense. Visa hein? Mastercard, ça, ça, ça. OK? J'ai répondu à toutes les questions que mes assistants m'ont partagées ici, qui ont vu dans mon fil d'actualité. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas vu ici. Y a il quelque chose que moi, je voulais dire que. Euh... Ah oui, je vais venir partager ça ici. « Share, 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 share. » Ça ici. OK. Donc, en fait, pour pouvoir vous inscrire, c'est info à commercial Happy Production. Non, pas vrai. C'est i87.ca. C'est la dernière journée pour faire votre inscription aujourd'hui. L'aventure commence le 9 février, mais aujourd'hui, le 27 janvier, c'est la dernière journée. On ferme les portes. Après ça, on canalise les gens pour que tout le monde ait reçu leurs accès, que ça ne soit pas dans leur spam, on va leur expliquer comment ça va fonctionner. Donc, ça va se passer à partir de demain. Vous allez déjà recevoir vos bienvenus dans la nouvelle aventure. Vous allez rentrer dans une nouvelle communauté, d'accord? Si vous avez besoin de plus de détails, allez sur la page de Reset. Il y a une petite vidéo que j'explique. Hein? Ça les implique quoi? 16 semaines, 11 contenus, des webinaires. J'en ai pas parlé. Des cafés coaching. Donc, sur le groupe de Reset, vous allez avoir. Euh, à tous les à environ deux semaines, tout dépendamment si je suis là ou je suis parti ou quoi que ce soit. Des fois ça être une semaine, des fois ça aux deux semaines. Vous allez avoir, savoir l'annonce la, la, d'avance de, de toute façon. Vous allez avoir en bonus de vos modules et de vos webinaires un live comme ça que je vais venir faire sur la page du groupe Facebook qu'on appelle des cafés coaching reset où est-ce que je vois, je réponds à certaines questions, je désamorce des cas et je vous partage une meilleure compréhension. Donc ça vient bonifier, ça vient vous emmener. Moi j'ai bien compris une chose. Il y a un élément qui est super important dans un processus de transformation et ça s'appelle le momentum. On a besoin d'être dans le momentum et se faire soutenir. Et c'est ça le rôle de votre coach, c'est ça le rôle de votre mentor et c'est ça le rôle de mon équipe qui, qui est autour de moi. D'accord? Alors, vous avez ici 777 et on a eu beaucoup ce commentaire-là puis on va l'arranger dans nos prochaines pages de vente. Mon équipe, j'avais oublié de vous le dire. 777, des fois, on a des amis européens qui pensent que c'est en US. Hein, donc, 777 US, ça donne quelque chose comme euh, 730 euh, euh, euros. La réalité, c'est que c'est en canadien. Donc, c'est 777 dollars canadiens qui donne environ, tout dépendamment du taux de change jour, 535 euros. Quand ma gang d'Européens, vous allez payer, vous allez voir 777, mais votre carte de crédit va transférer selon le taux du jour, d'accord? Euh, vous avez ici, si vous cliquez ici, vous avez ici... Les questions et réponses, les premières questions et réponses, mais malgré qu'aujourd'hui, j'ai bien répondu aux questions et réponses. Vous allez, c'est pour toi, le reset, c'est pour toi aussi. La garantie de tranquillité que je te marque juste ici. Des vidéos de témoignages et si vous en voulez des témoignages, vous cliquez ici. Si vous n'êtes pas assez convaincu avec tout ce que je vous ai partagé, probablement que vous ne serez jamais en fait convaincu. Donc, venez voir tous les témoignages qui sont là avec des entrevues de gens qui ont fait des témoignages et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de témoignages. On est, je pense qu'on a sept pages de témoignages. Donc, si vous avez besoin de venir gérer votre peur, votre anxiété, votre insécurité, la peur de se tromper, ce n'est pas en lisant plein, plein, plein de pages, c'est en tournant le regard vers soi, en faisant un acte de foi. Et en plus, le gars, il dit que c'est gratuit, pas gratuit, il dit qu'il me garantit. D'accord? Euh, il y a des témoignages et ici, il y a des clauses que si vous voulez venir voir pour mieux comprendre. Dans le reset, je vais revenir à mon vidéo pour enlever ça. Dans Reset, il n'y a pas d'événement live d'inclus dans Reset, OK? Reset, c'est un parcours en ligne sur 16 semaines que vous allez avoir accès à vie par la suite. Vous faites à votre rythme, d'accord? Vous allez recevoir à tous les dimanches un nouveau module qui va être débloqué, libéré, et vous le faites à votre rythme. Vous pouvez le faire le mercredi, vous pouvez le faire le vendredi, vous pouvez faire trois semaines en même temps. Bref, vous le faites à votre rythme. Vous avez un document de cours que vous pouvez télécharger. Vous faites ça à votre rythme, d'accord? Euh, vous pouvez faire ça avec vos enfants, vous pouvez faire ça avec votre mari, avec votre conjointe. Si votre conjointe, votre mari ou vos enfants qui, 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 qui ont envie de faire l'expérience et, et qui ont envie d'avoir leur accès à eux aussi, qui ont envie d'avoir leur euh, accès à la page Facebook. Donc, quand c'est dans la même famille, vous pouvez avoir au lieu de partager le même accès, puis pas être dans la page Facebook, parce qu'à la fin, on n'en parle pas beaucoup, mais vous allez recevoir un certificat comme de quoi vous allez avoir fait reset. Donc, si vous avez partagé, vous n'avez pas de certificat. Si vous avez eu votre accès, vous allez avoir un certificat. Donc, si vous êtes dans le, le, le couple, souvent c'est ce qui se passe. Exemple, on a Diane qui fait le reset. Son homme ne voulait rien savoir. Finalement, son homme là, il veut ses accès à lui pour pouvoir commenter, pour pouvoir être là dans les lives, pour pouvoir avoir son certificat à la toute fin et à recevoir son agenda. Si c'est dans la même famille, vous écrivez à mon, à mon assistante à, à, à happyproduction.ca et les autres vont avoir à 50% de rabais dans la même famille, d'accord? Donc, euh, euh, juste à écrire, elle va vous expliquer les clauses de vivre ensemble et toutes ces choses-là. D'accord? Euh, 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 Qu'est-ce que je disais d'autre aussi? Euh, je t'ai rendu où ça? Je l'ai fait. Reset. Ici. Je pense que j'ai presque fini la gang. Témoignage. Euh, oui, 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 c'est ça, que je disais. Donc, Reset, en fait, c'est euh, un événement en ligne. Ce n'est pas le bootcamp. Donc, mélangez-vous pas. Cette année, on, on s'est un petit peu trompé dans tout ça. On a mélangé, on, on, on a mis les deux en même temps. Le Bootcamp Reset, c'est quelque chose de totalement différent. Donc, je partage la page du Bootcamp Reset ici. Donc, si je m'en viens ici. Donc, le Bootcamp Reset, c'est un événement live en présentiel, donc qui se passe le 1er et 2 février prochain euh, euh, à Saint-Hyacinthe. On attend 700 personnes au Bootcamp Reset. Donc, c'est un événement live qu'on fait deux fois par année au Québec, deux fois par année en Europe. Ou est-ce que c'est haut en fréquence, il y a beaucoup d'énergie, c'est des enseignements de reset. Donc, si vous venez au bootcamp, vous allez voir des choses que vous allez voir dans le reset. La seule chose, c'est que c'est un intensif pendant deux jours de temps et, et, et on n'a pas le choix d'appliquer, d'intégrer, de vibrer avec cette communauté-là. Et si vous venez faire le reset après ça, ça vous allez revoir, vous allez juste mieux comprendre. C'est comme si je vous montre à faire du gâteau, hein, on le fait ensemble, génial, vous allez revenir à la maison et là, il y a des vidéos pour faire le gâteau, donc vous allez mieux comprendre. Donc, euh, vous n'allez pas tuer votre expérience de Reset, c'est complémentaire à Reset. Donc, euh, vous pouvez venir. C'est un 2. on a un deux pour un sur les Resets. Il reste quelques billets, il en reste pas beaucoup de billets. Si je ne me trompe pas, on a 20 billets ou 10 billets, right? parce qu'on a, on, on a changé la modification de la salle. Donc, euh, donc, euh, vous pouvez réserver là. Et ma gang d'Europe. On vous annonce qu'aujourd'hui, on a signé les contrats. On a réservé la salle du casino à Engain-les-Bains avec, je pense, 6, 7, 800 personnes, je ne me trompe pas. Donc, on va vous annoncer ça. Les dates sont arrêtées. On va vous annoncer ça dans les prochains jours. Donc, on s'en vient, on ne vous a pas oublié belle Gang en Europe non plus. Donc, si ça vous intéresse, e Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le bootcamp euh, de reset. D'accord? Ou en France cette année, euh, Marilyn, ça va être à enguin les bains la même place que j'ai faite le dernier reset. Donc au lieu d'avoir la salle de 300 personnes dans l'hôtel de on a loué le casino de l'autre côté avec deux étages. C'est comme. En fait, la vision, c'est de changer le monde, la gang. C'est changer le monde. J'ai peur? J'ai peur. J'ai peur parce que je ne vois pas personne qui marche au terrain comme ça là-bas. Là. On va le marcher. Je ne marche pas tout seul. Avec mon équipe, avec ma communauté, avec ma gang, acte de foi. On réserve, est-ce que j'ai déjà eu 800 personnes dans une salle en France pour un week-end d'un événement? Non? Go with the flow. All in. Laisse la nature faire son œuvre à travers toi. Voyons voir ce qui va se passer. Donc, euh, ça va être génial. Yes, tu as bien raison, Valérie. Ça va être juste génial. Ça nous sort de notre zone de confort d'une façon énorme. Ça coûte les yeux de la tête des salles en Europe comme ça. Je n'ai jamais payé des, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Je pense c'est presque en tout et partout 50 000 dollars louer une salle comme ça. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui fait comme, OK, le bon Dieu t'emmène des sous avec tout ce que tu fais. Et notre, ma responsabilité, c'est de faire circuler ça pour emmener ce mouvement-là, pour faire tourner ça. Donc moi, je dois mourir dans mes perceptions. Je dois faire un acte de foi et appliquer ce que j'enseigne. Et, et c'est ce qu'on ce qu va vivre tout le monde ensemble. Et, euh, et c'est génial ce qui est en train de se passer. Ce sera à Paris. On a le droit de faire le bootcamp. Tu nous donneras les dates. Donc, ceux et celles qui... Le, le, le bootcam ne fait pas partie de Reset. C'est important de comprendre. Quand vous achetez Reset à 777$, c'est c'est le programme en ligne. Le bootcam, c'est un événement à l'extérieur que je fais deux fois par année. C'est possible de l'acheter et vous avez un billet, puis vous avez le droit d'inviter un invité. Quand vous êtes dans Ubuntu, dans le programme avancé, vous avez tous les Resets. Vous avez un Reset par année et vous avez euh, les bootcam qui sont inclus au travers de tout ça, entre autres. Est-ce que j'ai des questions qui ne sont pas répondues? Je suis sur la fin, la gang. Bernard, on dit aussi, t'es hot. Ah, ben oui, on est tout hot. On est toutes hot. Tellement hot au bootcamp, tellement un événement sur la coche. C'est génial. Puis en plus, ce qui est cool du bootcamp, la gang, c'est une communauté qui se retrouve, qui vibre ensemble, qui se voit sur les réseaux sociaux, qui s'est vu mourir, qui s'est vu renaître, qui s'est vu pleurer, qui s'est vu avoir du résultat, qui s'est vu apprendre à se transformer. Et là, on se revoit en vrai. Ah! Et là, avec mon équipe qui est contente de vous voir, parce que mon équipe vous aime. Mon équipe répond à vos commentaires. Moi, je vous aime. Je réponds à vos commentaires. On prend des photos ensemble. On rit ensemble. On pleure ensemble. On médite ensemble. On se transforme ensemble. Et on sort de là avec un sourire grand comme ça. Ah! Avec un espoir d'un monde meilleur. Pas inspiré comme, et allumé comme un sapin de Noël. Une transformation qui est en train de se produire. C'est extrêmement puissant. Si vous pouvez venir au bout de Camp 3-7, je vous le suggère véritablement. Par contre, Cependant, il ne reste plus de place dans l'hôtel où est-ce que nous sommes. Il faut aller plus en banlieue, peut-être à 10 minutes de, de, de cet endroit-là. J'ai peur, j'ai peur de faire la boulimique de formation quand j'en ai pris une autre et il y a un mois, mais je veux faire partie de la cohorte. Euh, J'adore ta façon d'enseigner. Fabienne, je comprends, c'est pour ça que je partage ça. Fabienne, ferme tes yeux. Même qu'on on a été terminé, là, tu fermes tes yeux, Fabienne. Tu prends un recul. Tu t'assois sur un coussin de méditation. Tu tournes ton regard et tu te dis Est-ce que j'en ai vraiment besoin Pas, Main, mais là, tu vois, Fabienne, tu encore pris une formation. Ça, c'est ta tête, ça. Ça, c'est ton petit humain qui t'emmène ça. Ouais, là, là, là. Puis peut-être que quand tu vas faire un as vraiment de besoin, peut-être que ça va te faire Non, sais tu sais quoi, j'ai déjà tout ce qu'il faut. C'est génial, François. Je vais le suivre quand même sur les réseaux sociaux. Je vais le suivre dans, son, dans sa gratuité qu'il partage. Mais c'est peut-être pas pour moi présentement. Puis peut-être que ça va faire, sais-tu quoi? Lui, là, honnêtement, ça me parle vraiment. Peut-être que les autres formations que j'ai prises dernièrement, c'était avec ma tête, mais ça me parle. Puis peut-être que tu vas venir faire reset, tu vas dire, l'autre formation, je me pose, puis je, tu vas refaire la formation après, ou peut-être que tu vas avoir de l'espace, mais prends ta décision de la bonne place, Fabienne. Et surtout, ne doute pas de toi. Parce que c'est ça qu'on veut venir libérer avec le Reset. Tu as peur en fait? Tu as peur de quoi? Tu as peur de toi? Des conditionnements que tu as eu tendance à répéter dans le passé. Je suis inscrit, je suis en feu, comme on dit au Québec. Bernard, oh my God, comme ça en plus, Bernard. Vous savez, ce qui est cool dans la prochaine cohorte, j'ai plus d'hommes que jamais. Et ça, c'est vraiment génial, les boys. Parce qu'à un moment donné, il faut allumer un tout petit peu, là. Hein? Donc, euh, on a beaucoup plus d'hommes qu'on en avait avant. Et ça, je trouve ça vraiment, 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 vraiment génial. Le changement est en train de se produire maintenant. Le changement la gang, là, c'est pas dans le futur, c'est là. Et moi, est ce que je trouve cool, c'est qu'on est en train d'y participer. Je suis inscrite avec mon conjoint, ping, sur la même ordinateur. Aurons-nous chacun notre reset dans notre portail? Mais non. Ah non, t'as peu. Si tu es inscrite inscrit avec ton conjoint, donc si vous avez acheté un reset, vous allez partager la même accès, d'accord? Mais si tu t'es inscrite, Diane, ton conjoint, il, il s'est inscrit, faut-tu comprendre que ton conjoint, faut pas qu'il aille payer 777. Il peut, si je veux, je vais le prendre l'argent, la j'apprécie. Mais sinon, il crée mon assistant, tu vas le payer à, à, à moitié prix, D'accord? il va recevoir son accès. Donc, quand il va rentrer sur son ordinateur, sans l'entête, ses accès, il va pouvoir écrire, puis il va être marqué. Exemple, s'il s'appelle Bernard, non peu importe. Il va, peu importe, quand il va écrire, on va voir lui, son, son, quand il va écrire. Hein? Par contre, s'il vient avec des accès, puis il m'écrit, mais il va être écrit Diane. Mais je ne pourrais pas comprendre qu'il y a une différence entre Diane et en, en Diane, puis, euh, puis Serge, exemple. D'accord? Donc, euh, chacun a votre accès, si vous voulez. Si vous n'avez pas besoin d'écrire, et vous voulez vivre ensemble, mais vous pouvez, euh, et, et, et aussi, c'est ça, c'est ça. On reste là comme ça. Euh, et là, il y a du monde qui Qu'est-ce que tu veux dire, François? Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, oui, à ton rythme, hein? je me suis choisi, je choisis de faire de la place pour reset. Go génial. Bravo, c'est toi qui t'es choisi. C'est ça qui est génial. Euh, ça se fait de chez soi, ça se fait de chez soi. On ne vient pas, on, on, vous n'allez pas venir chez nous. Je ne veux pas vous voir. Je ne veux pas vous voir chez nous. Hein? On est en ligne, on est en ligne pareil comme ça, sauf qu'on est sur un autre portail. Vous allez avoir besoin de télécharger une application qui n'est pas longue, qui se fait en l'espace d'une minute. Euh, je t'ai envoyé un mail, génial, si as envoyé un mail à mon assistant. c'est clair. Soyez patient. Hein, ça, va être, ça peut peut-être prendre deux heures avant d'être répondu parce qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de demandes. On est dans la dernière blitz, là, présentement. Euh, besoin d'aide, je pourrais recevoir les deux premières. Ok, ça, j'ai tout répondu. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Euh, ah, Nathalie Côté, on en est où avec le petit dictionnaire du petit François? Bon, tu me rappelles, rappelle, Nathalie Côté, elle a extrait un super dictionnaire. Martine a me le mis en page. François, il l'a laissé sur une tablette, je ne sais pas où. On a un super dictionnaire que mes amis français ont venu extraire extrait des mots que je dis. Euh, et, et en français, ça n'a aucun sens. Donc, on a fait un dictionnaire du François que je vais vous partager. Merci de me le rappeler. Euh, je me suis inscrit. Euh, je me suis inscrite avant ta réponse. C'est parfait. Fantastique. Je suis très heureux de te voir. Faites trop. Euh, da, da, da. Oh good, génial. Merci la gang. Deux heures et quart encore une fois. Avez-vous idée combien de valeur que je vous ai donné dans la, les deux, trois dernières semaines? Je pense qu'on est pas loin de 20 heures de contenu avec les entrevues, avec tout ce qu'on a fait et tout ça. C'était ma dernière intervention par rapport à un live que je faisais par rapport à Reset. Merci de votre patience. Merci ceux et celles qui sont là en live avec moi, qui prennent le temps d'arrêter de s'informer de d'observer de, de, tout ça. C'est super, 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 super apprécié. Euh, à partir de maintenant, ben, tout ce que vous allez voir plus, ça va être des pauses, des citations, des petites vides qui vont revenir hein, dans quelques semaines. Je vais vous donner de l'air pour pas trop saouler votre esprit avec tout ce que j'ai donné dernièrement. Mon but, c'est pas de vous étourdir. Je vais vous donner de l'air, mais après ça, les petites vides vont revenir tout doucement et tout ça. Merci énormément. Ceux et celles qui joignent Reset, ça va être un privilège de vous revoir de vous avoir plus près de moi, d'apprendre à mieux se connaître, de développer cette belle communauté-là. C'est vraiment un privilège. Mes anciens, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette belle aventure-là. Plus grande que jamais, plus grande que nature, en fait. Et ceux et celles qui ne joignent pas cette communauté-là parce que vous avez déjà d'autres engagements ou que c'était peut-être pas le bon moment. Pas grave, on est déjà dans une communauté sur les réseaux sociaux. Moi, d'autres formateurs, d'autres coachs, d'autres euh, euh, personnes qui s'inspirent. Vous êtes un, un leader de conscience qui, qui partage en fait euh, des pensées positives. On est là pour emmener un changement dans le monde et, et, et on va toujours être là. Je vais vous donner encore et encore et encore et encore et encore toujours beaucoup de valeur. Alors, merci d'être dans ma vie. Si vous avez un intérêt, si vous êtes en dualité, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Tourne ton regard vers toi. Ferme tout Internet. Va juste voir en dedans. Ta réponse est là. Ce n'est pas ⁇ je dois suivre ⁇ c'est ⁇ suis ⁇ ce que la vie te demande de faire en ce moment. That's it. That's all. C'est François Lamy. Qui vous dit ⁇ je vous aime, je vous adore ⁇ Merci d'être dans ma vie, ma belle communauté. Et on se revoit très bientôt. Bye.